parole@palais.com. Nous disons pour une bonsoir, puis une information nous avons pour développer pour après-midi dans le journal ça. Donc, c'est pas un événement. Tout le monde est déjà ouais ça. C'est Jean-Michel Lapin et président Jovenel Moïse en vol quitter PIA pour aller participer dans une rencontre choisie et comme monde qui t'a doué vine prochain premier ministre. Gary Bodo, président chambre député, a confirmé information ça avec un groupe journaliste haïtien dans Washington qui a participé dans session printemps Fonds monétaire international là d'ailleurs et collaborateur nous et Robinson Henry et côté Gary Bodo fait connaître il écrit premier ministre par intérim qui nommé hein, et pour venir déposer pièce dans chambre député. Gary Bodo connaît te jouer un rôle déterminant pour te voyer et Jean Henry Seyan aller. N'a gagné tout pour nous qui s'axoti dans et présence président chambre député dans capitale fédérale américaine côté il gagne rencontre avec député américain sous dossier tant coup TPS mais tout avec représentant fonds monétaire international qui fait connait faut gagne un gouvernement et pour 229 millions était prévoir capable commencer débloquer mois de juin, c'est nouveau délai Fonds monétaire international bail. D'après ça, président chambre député Gary Bodo déclaré dans micro envoyé spécial nous Robinson Henry. Et puis évidemment comme toujours, nous connaissons plusieurs déclarations à questions qui a soulevé concernant nomination et nouveau et premier ministre qui t'a dû venir occuper prématurément pour un bon bout de temps. N'attend des questionnements député Abel Descollines, même Jean à Jacques Beauville et représentant Marie-Goua Déhonnête, Deïs Déhonnête. Et puis pour secteur démocratique et populaire, nomination Jean-Michel Lapin n'a pas fait ni chaud ni fret d'après maître André Michel, ça pas grand quelle importance alors que organisation politique Vive Haïti lui-même retourné sous parcours et Jean-Michel Lapin liaison avec Joseph Lambert qui permet de li monter marche par marche administration publique là d'après Winnie Timothée et même organisation ça après échec et secteur à saut prend dans mobilisation après bien entendu et tout temps mobilisation qui était bloqué et payant et bien jeudi jodia yo annoncé 1er à 18 mai Vive Haïti dit yo pral faire mobilisation et contre régime. Pendant ce temps, parti famille Lavalas lui-même s'est tête chargée l'a exprimé sous situation malouk pays d'Haïti avec peuple haïtien trouvé. Et dans domaine social, gen syndicat travail et santé dans l'hôpital général qui annonce une grève à partir de lundi qui a vini là pendant que médecins ont dénoncé le fait que yo pas payé yo médecins qui travaillent dans service public. Et puis il y a Kazek yo qui menacé pour yo bloquer zone ministère des finances si yo pas et payer l'argent yo doué depuis plusieurs mois. Mais malgré toute déclaration officielle, problème ratement gaz là continue encore journée jeudi. Nous avons supposé gagner madame Yvette Miracle qui c'est vraiment Jackie Miracle Thiabo, jeune garçon ça et yon policier assassiné samedi qui s'est passé là et l'a gagné pour parler avec nous dans journal là après-midi. Et puis il y a gagné deux du feu dans capitale là Kiskeya Kiskeya dans rue Villemené matin bien bonheur encore nous t'ai constaté retard pompier t'ai prend pour t'ai venir l'elle t'ai arrivé. Eh bien, toute bagaille était fin de connaît. Dans l'actualité internationale, l'élection législative dans le pays Israël, Benjamin Netanyahu qui partit dans un cinquième mandat, top pour top, coûte à coude, avec un nouveau parti bleu-blanc, d'après le premier sondage qui sortit après l'élection électorale. Et puis, Angela Merkel, nous connaissons qui est chef Union européenne, avec le président de la commission et qui est Donald Tusk, yo tombé d'accord pour yo bay Grande-Bretagne plusieurs mois avant li quitter
Union européenne dans cadre Brexit là. N'a gagné tout pour non parler de Algérie malgré levé campé, c'est président Sénat et yo nomme journée jodi comme président intérimaire et dans tête pays Algérie. Donc rendez-vous pour vendredi pour connaître qui Jean et peuple algérien pour réagir. Et puis Soudan Omar El Béchir en bas en pile pression population parle nous toujours sous continent africain hein? Côté Apton l'armée ba un coup de main pour mettre monsieur à terre qui sous pouvoir depuis plus que 30 ans. Contrairement à ça Donald Trump dit effectivement planète là devine pichot et on constate en pile glacier à fond et l'en mer d'eau a monté presque tout partout. En parlant de Donald Trump, monsieur pas des modes dans affaires migration et côté li gagnent pour li faire une autre miraille encore d'après ça et patron Maison Blanche annoncé. Invité journal 4h après-midi c'est coordonnateur organisation politique la paix ancien sénateur Jean Hector Anacassis et sous choix Jean-Michel Lapin comment pour population décoder comme nouveau premier ministre l'a pour répondre question Beethoven François fils. Ces informations ça y a qu'en pilote. Nous va gagner pour développer pour vous après-midi dans journal ça. Paul@palais.com. Météo politique là même si ciel la chargé à nuages pour peuple haïtien mais il semble li au beau fixe pour équipe Jovenel Moïse là ak allié lio depuis sous ça li a râlé après dernier événement février yo. Et c'est comme ça c'est li râlé youn nan ministre qui était dans gouvernement qui échoué a et pour le mettre comme premier ministre après il t'est choisi comme premier ministre pour un petit bout de temps Jean-Michel Lapin de confirmer ça sous sa rele yon tweet connaît tweetocratie matin en volte quitté pays pour aller participer dans une rencontre qui a fait en Amérique centrale Jean-Michel Lapin bon c'est président chambre député nous connaît qui très in dans dossier ça qui te paraît un tweet tout pour te bailler trois non monde histoire pour satisfaire curiosité en pile monde qui remet genre de sport ça yo et pendant tout week-end là c'était trois donc t'as cité sans arrêter Marjorie Alexandre Brunage tout d'un coup qui sortit dans discrétion que les toujours y est et pour parler de lui comme et monde qui candidat pour poste premier ministre alors que en pile monde pensait si t'as un poste comme ça c'est ta plus Maril et mais Maril pas des charges bien entendu puisque lui-même n'est pas une personnalité de premier plan dans question politique et dans pays même si papa était occupé poste président pendant un petit bout de temps et puis bien sûr Gabriel Fortuné nous connaît lien avec pouvoir tête caléo et pouvoir tête calé ça en particulier qui c'est magistrat démissionnaire au Kaila et quoi entré Port-au-Prince justement pour venir occuper fonction ça même premier ministre mais bout pour bout et c'est deux préférences Jean-Michel Lapin Jovenel Moïse choisi et bon quoi on te dit tout pour nous te connaît de nous connaît qui ça pour le passer et Patrick Crispin youn nan conseiller porte-parole président et nan micro Beethoven François fils a expliqué raison choix ça président Jovenel Moïse a bien fait choix définitif de premier ministre AI Jean-Michel Lapin et que l'inomélie officiellement comme nouveau premier ministre qui devrait prendre tête nouveau gouvernement après que ancien premier ministre Jean-Henri Seyan est renvoyé par chambre par un vote massif de chambre députée. Je vous l'invite pour faire face à situation politique là, que ce soit question de dialogue, que ce soit question adresser problème de pauvreté, de misère, de grand goût, de chômage, de délinquance juvénile, problème de corruption, pour combattre corruption, pour combattre impunité, pour travail pour amélioration conditions vie sociale, vie économique peuple haïtien, président Jovenel Moïse, mais sous Jean-Michel Lapin, qui vient expérience de l'État, expérience de la
fonction publique, qui fait carrière dans l'État, qui gagne savoir-faire, le savoir-agir, le savoir-décider, le savoir-planifier, le savoir-programmer et le savoir-réagir pour capable de réponse, puisque monsieur son homme de résultat et tout partout côté que le passé dans l'État, à quelque niveau que ce soit, Jean-Michel Lapin toujours bail résultat et aussi bien monsieur son homme d'équipe, l'icoué dans relation mon avec mon, l'icoué dans relation institutionnelle, nous croyons qu'au niveau de l'exécutif, c'est un bon mariage de la présidence et de la primature et qui pourra servir une bonne cause pour le peuple haïtien, pour le pays, hein, côté que relation yo très cordiale et harmonieuse et côté que mécanisme d'harmonisation, hein, la opérationnelle, la pragmatique et tout ça va servir et contribuer à avancement pays, hein, et tout ça va faire nos soucis, nos ultimes objectifs pour satisfaire des idératas peuple haïtien hein, qui lui-même mandé changement total capital que président Jovenel Moïse fait toujours prôné en campagne, toujours prôné pendant que le chef de l'État voulait matérialiser objectif campagne que le gagne et que je vous l'ai de Jean-Michel Lapin comme premier ministre, il y a un monde qui huile l'administration publique là, qui finit l'administration publique là, mais qui bail résultat et c'est un couronnement de l'excellence, de connaissance que le gagne en matière de savoir instrumental, de capacité cognitive. Donc, ouais, tout ça que Jean-Michel Lapin aussi bien dans horizontalité et verticalité, l'a capable de parler, de communiquer parfaitement bien avec la presse, l'a capable de parler à tout secteur dans la vie nationale là, l'a capable par la société civile là, par la classe politique là, l'a capable parler avec tout groupe organisé yo dans souci pour capable changer Haïti. Donc c'était Patrick Crispin, on si nous comprenons bien yo jeune docteur yo t'a cherché pour malade yo relé haïtien parce que Jean-Michel Lapin selon Patrick Crispin et il gain savoir et c'est ça le savoir tout savoir, il connaît tout bail dans ça qui concerne l'État. Président Chambre des députés qui part d'Haïti, qui trouvait lui dans capitale fédérale américaine et Washington Garibodo, rencontré avec un groupe de journalistes qui trouvait dans capitale fédérale là tout, qui vient participer dans et session et printemps Fonds monétaire international. Et bien dans occasion ça, président Chambre des députés a connecté un rôle déterminant nan voye et premier ministre Jean-Henri Séan aller li annoncé li pral écrit premier ministre qui fait nommé hein, et Jean-Michel Lapin qui déjà dans job premier ministre non son yenn de dou li te gon longueur d'avance sur toute l'autre yo puisque il était dans place là déjà j'y suis j'y reste pour mandel pour vinn déposer pièce li et dans devant chambre des députés bien entendu et pour permettre d'après ça il dit n'a cité Garibodo pays a gagné un nouveau premier ministre pressé pendant il pas bail garantie et premier ministre nommé bon ça son formule pour anik passer dans chambre députée bon on connaît on sait séance qui était faite après séance qui voye séance aléa et une façon pour te amadouer et classe laborieuse là yo voté et un document qui a traîné depuis longtemps pour augmenter salaire minimum après ça est-ce que gagne séance qui fait dans la chambre. Mais nous pas étonné jour ça rapport tout mon appel. Député Delma fait déclaration ça jodi a dans capitale fédérale américaine non et côté représentant journal Le Nouveliste Radio Métropole à Kiskeya et journaliste des envoyés spécial qui a participé dans rencontre printemps Fonds monétaire international à Banque mondiale dans capitale américaine non ce 14 avril. Et yon lot pas concernant information qui fait quoi et bureau chambre député a dépensé plus que 150 millions goud dans seulement 3 mois boire café à manger et président chambre député ancien questeur Garibodo déclaré c'est pas le questeur journée jodia depuis 2 années d'ailleurs pour occuper job ça c'est président lié et d'attendel qui t'ai parlé comme ça dans micro envoyé spécial nous dans Washington Robertson Henry. Dans la chambre députée, il y a toujours deux possibilités. Donc, nous pensons que ce sera la même chose pour le Sénat. Nous pensons que PM Lapin a toute chance libre pour le passer dans la chambre députée. Si les présidents des blocs
minoritaire et majoritaire yo joignent un accord sous désaccord pour passer gouvernement comme ça tout PM la 20 doit tomber dans chambre député ya. Donc moi même ça m'a fait parce que Haïti gagne des deadlines qui clair bah le premier ministre pour venir déposer pièce liste il a tombé puis au cas gain choisir l'autre premier ministre pour nous pas perdre du temps comme ça tout c'est la passer Haïti a bon premier ministre aussi rapidement possible dans jour qui vient Jean-Michel Lapin le nous connaît que le sorti dans gouvernement qui était révoqué dans la chambre basse. Bon, d'abord, moi-même, je demande mon opinion, mais comme président de la Chambre des députés, je pense que ce gouvernement a été censuré pour manque de résultats. Ce gouvernement a été censuré par une majorité de députés. C'est pas seulement Jean-Henri Séan. Donc, c'est une interpellation qui a été faite non seulement pour Jean-Henri Séan, mais pour l'ensemble de son gouvernement. Donc, pas oublier qu'au niveau des consultations qui se sont tenues au Palais national, ce ne sont pas des consultations contraignantes. Donc, s'il n'y a aucun parti qui est arrivé majoritaire au Parlement. Donc, le président choisit son premier ministre en consultation avec les présidents des deux chambres. Donc, nous, bah, le président en consultation, nous. Donc, le président lui-même, il a senti, c'est avec M. Lapin, il est à l'aise pour le gouverner. C'est M. Lapin, peut-être, qui a aidé l'atterri. Je ne pas prendre le bilan Lapin dans le ministère culture là. Je ne pas faire ça. Ce n'est pas ta objectif. Je ne pas gagner des éléments pour me corroborer faire. Mais, de manière globale, pendant les 6 derniers mois qui se sont écoulés, le gouvernement qui a gagné en tête les gens ici avec tout le ministre, y compris l'actuel premier ministre, il va pas montrer nous grand chose. Nous espérons que si toutefois M. Lapin joue un aval parlement, libéral fait un premier ministre, c'est cap proactif, un premier ministre qui comprenne de nouvelles dynamiques, un premier ministre qui comprenne ce qui a passé bon ici à là. Donc, en pile fois, et moun kap gouverne nous, et que ce soit au niveau du parlement ou bien au niveau du gouvernement, nous pensons à vivre en autarcie. Nous pensons c'est pour moun Port-au-Prince, moun Okaye, moun et Fondenègue ou bien l'ensemble des citoyens haïtiens à diriger. Mais nous pas comprendre, je dis à nous, monde global, faut que l'économie qui a avancé. Donc, je dis, c'est l'économie qui a mené le monde là. C'est l'innovation, c'est la technologie. Donc, Haïti est supposé mettre l'eau pas. Il y a une information qui sort qui dit sous l'administration là, sous 3 mois, il y a plus de 150 millions de gourdes qui dépensent dans le café et dans la restauration. Moi-même, ça m'a dit, moins de pays, donc beaucoup rentrer dans le pays pour me prendre connaissance de l'information. Ça aussi, confirmé ou non, ce que je peux dire, ça fait pratiquement 2 ans depuis que je ne suis plus le questeur de la Chambre. Donc, le président de la Chambre a une fonction représentative. Donc, moi, j'ai une fonction, je suis la police des séances, je représente la Chambre des députés, etc. Donc, celui qui gère l'administration, c'est le questeur. Pensez au cas d'entrer en contact avec le questeur. Voilà, question de Chambre député, mais qui fait partie de l'administration Chambre député. Président Chambre député Gary Baudot, dans le micro, envoyé spécial nous, Robinson. Il a tout été et dans Washington, c'est dans le mois de juin, et nouveau délai Fonds monétaire international FMI, et bien, il est capable de pour approuver l'accord. Il était signé avec le gouvernement de Cali numéro 2, mois passé, pour t'apprêter Haïti. On a fait de 229 millions de dollars américains. Il a débloqué une 40 millions comme ça. Mais nous connaissons à cause du gouvernement Paguen, Fonds monétaire international, campé. Et député Delma, président de la Chambre des députés, Gary Baudot, déclaré que c'est sous base explication Libaye, responsable Fonds monétaire international, concernant divers aspects qui la cause pays. A pas de gain de temps. Gagné un nouveau gouvernement avant délai au débat 24 pour 24 avril 2019 là qui poussait au prolonger délai. N'a pas le président en chambre député qui en voyage qui trouvait dans capitale fédérale américaine dans Gary Baudot qui te parlé comme ça toujours dans micro envoyé spécial non Robinson Henry. Et jodi a ou te wè nou te nan yon rencontre avec gouverneur Banque Centrale là que nous rencontrer là et avec responsable FMI o li très important parce que ou connaît FMI te nan route pour l'approuver un prêt de 230 millions de dollars américains pour Haïti donc yo te très inquiet parce que gon deadline 24 avril donc jodi a nous même comme parlementaire comme président chambre députée et jodi a qui représente parlement là
Donc nous venons demander un nouveau deadline pour Haïti. Et deadline là, je pense qu'on y a allé autour du mois de juin. Parce que je fais calcul très clairement, je dis yo, conformément à règlement intérieur, institution et constitution, au moins ça prend environ 30 à 45 jours, pour ne pas dire 2 mois pour passer au gouvernement. Donc je dis et nous bien contents. Et nouvelle là, nous, le président Jovenel Moïse finalement choisi un premier ministre qui pour rassurer la communauté internationale là, rassurer la communauté nationale là également, rassurer bailleurs de fonds. Donc je dis, m'espérer que le dialogue politique qu'a fait, c'est des dialogues sincères, des dialogues honnêtes, des dialogues qui va le permettre véritablement que nous avons un gouvernement et d'ouverture, un gouvernement qui va essayer de résoudre un certain nombre de problèmes. FMI d'accord sur nouveau rallonge. Oui, définitivement, m'a quitté ce coup là by autorité monétaire. Mais je dis après exposé, me fin faire devant Fonds monétaire international là. Donc il est clair que ouais, pas capable qu'embé deadline ça by Haïti et son s'étant exposé assez succinct, assez clair qui montrer ça la loi dit, qui sa constitution dit. Donc on connaît pas boy site mon respecter la loi en pile, donc il finit par comprendre faire by Haïti un moratoire pour permettre que yo avancer. La présidente chambre député Agaï Bodo qui parlait tout de rencontre des gars membres congrès américain sous question TPS avec CBTPEA. Le président chambre député a parlé de nécessité pour autorité américaine de renouveler et CBTPA et qui a permettre Haïti voyer vendre produits dans pays États-Unis. Il a tout profité par les réseaux qui la cause parlementaire haïtien yo, pour que j'aime ratifier accord APEA d'après ça le déclarer toujours et non micro Robinson Henry mais n'attendait déclaration ça puis devant on était dans désignation Jean-Michel Lapin qui pas une surprise pour personne et pour poste premier ministre représentant circonscription Mienbaléa dans chambre députée a député Abel Descollines posait cette question sous vraie raison qui poussait Jovenel Moïse choisi yon ministre qui était déjà fait partie de gouvernement qui échouait pour venir occuper poste premier ministre. Selon parlementaire, il pas normal pour un gouvernement qui pas de bail résultat pour m'emmener retourner dans tête gouvernement. Député Descollines fait un plaidoyer en faveur d'un nouveau cabinet ministériel cap gain d'absité capacité pour porter réponse qui nécessaire dans conjoncture politique pays à vivre là. N'a pas les députés Mienbaléa Abel Descollines qui a parenté à composition dans plusieurs positions à démarche et li fait dans dernier temps ça on a attendu dans micro Vilner Joseph. Nous dit nomination officielle Jean-Michel Lapin confirmé effectivement nous avons cette tradition paix du temps président de la République là prend plus que 2 semaines après vote de non confiance contre Jean-Henri Seyan pour faire soi-disant de consultation, alors que l'été en secret de Polichinelle, tout le monde t'est guettant qu'on est, que le président de la République, là, t'es souhaité, t'es voulu, t'es guettant jeter des volules sous Jean-Michel Lapin. Donc, pourquoi avoir pris tout ce temps dans une sorte de consultation, soi-disant, alors que ce qui a été annoncé, en termes de prétention, en termes de décision, c'est lui-même que le président a confirmé, donc Mouni Tevléa, c'est lui-même l'innommé. Somme toute, nous prenons acte de nomination Jean-Michel Lapin au poste de Premier ministre. Maintenant, confirmation officielle de nomination, ça, il ouvrit la voie avec un débat. Il faut rappeler, et comme vous le savez, le gouvernement de Jean-Henri Séan a été censuré, sanctionné en vote de non-confiance au niveau de la Chambre des députés. Alors que M. Jean-Michel Lapin a fait partie du gouvernement Jean-Henri Séan comme ministre de la Culture et de la Communication. Donc, débat qui l'ouvrit. Un gouvernement qui a sanctionné pas une dans la chambre législative, est-ce que les deux bons tons pour que une dans le monde, ça y est, c'est lui-même qui est nommé au poste de Premier ministre? Et est-ce que les deux bons tons pour que
de monde qui te fait partie de gouvernement qui censurait ça, il est capable de faire partie en l'autre de gouvernement. À cela, débat qu'il ouvrait, gagnait le monde qui commençait à argumenter, yo inventer une sorte de théorie que nous appelons théorie du précédent. Or, face à cette théorie du précédent, nous pensons ce qui vaille aujourd'hui, c'est la théorie du résultat. La théorie du précédent, nous pouvons l'accepter dans la mesure où, effectivement, il y a plusieurs gouvernements qui étaient censurés, notamment le gouvernement de Mme Michèle Pierre-Louis, et que c'est un ministre qui était fait partie du gouvernement Mme Pierre-Louis, qui devine Premier ministre en la personne de Jean-Max Bellery. Administration président Jovenel Moïse en pral gagné 3 ans, aucun projet n'a été réalisé, aucun investissement concret. Voilà, c'est député Abel Descolines. Dans le micro, Vilnel Joseph, député bien balé. Député Kafoua, Jacques Beauville, parlait dans le ministère avec député Descolines, il déclarait chambre députée qui a révoqué gouvernement séant. N'a pas cité pape voté aucun premier ministre à cabinet ministériel qui pague moyen politique pour résoudre crise là et puis changer condition la vie peuple haïtien. Parlementaire, ça qui est la bannière plateforme vérité, annoncé la concertée avec plusieurs autres députés. N'a pas cité encore pour orienter votre, n'a pas cité toujours dans le sens intérêt population. N'a pas tendu député Kafoua, Jacques Beauville, dans le micro, Vilner Joseph. Constitution en bas, président, pouvoir pour choisir un premier ministre et le consulter les deux présidents des deux branches du Parlement. Maintenant, je ne dis pas, mais pour le valet conseil, on ne fait le chita cédé, malgré que je fais partie du bloc majoritaire. Moi-même, je souhaite que aucun monde dans le gouvernement ne va pas tourner là encore. Parce que si nous censurons un gouvernement, au nom de la moralité, je dis pas bon. Moi, je dis bien, je dis que pour 6 mois, pour que vous disiez que l'eau a arrosé déjà des paysans, ça n'a pas tombé. Moi, je fais un constat physique. Moi, je dis, moi, est-ce que toutes sortes de mieux, c'est faux. Moi, je censure un bon vote de non-confiance. Je dis, ah, même si ça va apparaître des membres sur l'autre forme, c'est-à-dire c'était l'épopée, après l'épopée, c'est le drame. Non. Moi-même, moi dis bien, étant comme député qui fait partie du bloc majoritaire, position pas maintenant moi-même jusqu'à maintenant, comme la politique n'est pas statique, mais elle est dynamique. Peut-être qu'on fait le jour qu'on le dégage demain. Mais c'est ça que fait je vous dis à maintenant, moi dis bien, jusqu'à maintenant, pas qu'on en doit du précédent. Non, la théorie du précédent va pour là-dedans. Maintenant, vous avez un gouvernement parce qu'il n'y a pas de résultat, vous ne savez pas qu'il n'y a pas de maintenant, moi-même, malgré que je suis encore partie du bloc majoritaire, moi-même, pas comme c'est mon gafou. Donc, moi, je m'absurde encore pour garder profil 1 qui s'allie. Nous dit bien, nous sommes rassemblés. Deuxièmement, bon problème, insécurité. Je ne vous dis pas, comment on va adresser la dépréciation de la goutte par rapport au dollar, comment tout près nous là, son cimetière qui est devant nous là, nous cap mourir toute la journée. Hein? Donc je viens de vous dire, paysan, moi je suis le fils de paysan de paysanne. Paysan acheté d'enrée, l'acheter, le marchand acheté d'enrée dans un paysan, il vient de revendre là, et il ne pas tourner, il mourir, prend balle. Comment tout le problème ça, comment nous ne pas l'adresser au moment? Est-ce que la paix c'est l'homme du moment? Est-ce que la paix a une capacité de colonne vertébrale pour le camper devant le président, pour le dire, ah, je suis le premier ministre, certes, je vais atterrir avec vision, promesse électorale, je vais mettre mes dos là-dedans, mais je ne dis pas tout, est-ce qu'il y a une capacité pour négocier, pour faire tout le monde chita, tout le secteur chita? Parce que je ne dis pas, ce qu'on appelle une division aller trop loin. Il faut qu'il y ait un monde qui est capable de faire la réunification des fils et des filles divisées du pays. Moi-même, je propose un premier ministre qui a une capacité qui est pour le vertébral. Je me un premier ministre maintenant qui est capable de dire oui à président, non à président. Je ne sais pas si je non, par rapport à l'élection, la campagne électorale, qui est très difficile. Oui, l'homme fait la campagne électorale, vous choisissez un premier ministre. Ça veut dire que maintenant, au moins, il faut nous collaborer ensemble. Parce que nous disons depuis après, la mort par papa Tria, nous diviser, division par rien, division fait faiblesse, il va faire force. Donc, moi-même, pour ça tout, nous ne pouvons pas le bailler un chef en blanc. Parce que moi-même, je fais que ce de voter contre séant, parce que 6 mois par atterri, je ne vais pas voter un gouvernement encore là maintenant s'il va gagner la preuve que vous ne pouvez pas. Voilà, c'est député Kafoua. Bon,
il fait partie de bloc majoritaire là. Jacques Beauville qui parlait comme ça dans micro Vilner Joseph, nous on a dit bloc majoritaire. Nous connait qui ça peut le passer. À fond premier campé. Olapalais.com. Toujours sur Radio Kiskeya, on va suivre Journal 4, on a présenté depuis studio Bertrand Pierre-Louis. Je salue tout internaute qui a recevoir sur www.radiokiskeya.com, quel que soit à côté, vous voyez, et tout ça autour qui a recevoir sur plateforme intelligente. On a fait le premier coup de pied dans l'actualité internationale, élection faite jeudi dans le pays Israël, selon sondage qui fait après électeurs au fin voté. Benjamin Netanyahu ta top pour top ak leader et centriste là Benny Gantz qui fait paraître sous scène politique là et cependant semblé Netanyahu ta capable gagner avantage pour former un gouvernement coalition. Question qui a posé tout à soya dans pays Israël, est-ce que gauche israélienne non ça veut dire travailleur et pour aller retourner dans politique dans diriger pays Israël presque 20 ans depuis on en opposition et c'est un nouveau venu qui paraît sous scène politique là le Benny Gantz et qui paraît selon sondage t'a gagné un petit poilier en plus Benjamin Netanyahu dans élection législative à soi élection avant l'heure Benjamin Netanyahu déclenché pour te couper zeb en papier procureur qui a mené enquête concernant lui-même avec madame ni et même petite qui ben en corruption. Une véritable soufflette pour chef et Likoud lan droite israélienne nous capable dire leader incontesté tendance politique ça Benjamin Netanyahu qui parti derrière un cinquième mandat mais yo parler tout de ça séparer deux monsieur yo non pays qui c'est proportionnel total capital qui atomisé qui fait toute parti politique yo c'est dans coalition yo capable diriger et fait que à soya yo pour qu'on connaît qui décision président israélien a gain pour prendre qui est-ce l'a demandé pour former prochain gouvernement et qui va diriger Israël dans année qui va venir là pour former une coalition Gantz et qui paraît sous scène là tout feu tout flamme faut que monsieur t'arrive râler quelques dirigeants modérés dans Likoud qui c'est parti Benjamin Netanyahu hein, ça pas paraît facile pourquoi il est là parce que l'aile garde bon côté gauche dit il pas tellement gagne un gros réservoir voix que le capable de mettre pour ta prétendre qu'il a fait une coalition sans Likoud d'après ça la lidéré qui c'est une analyse qui très fin et qui connaît très bien société israélienne non déclaré donc li, et c'est un monde qui est grand pile l'adresse l'a analysé et conjoncture politique israélienne non. Cependant il dit di pas ouais comment tout Benjamin Netanyahu pral diriger un gouvernement qui a porté signature Union nationale parce que il dit c'est cinquième et dernier mandat Bibi Netanyahu et monsieur pas voulait gouverner l'autre façon que un gouvernement droite dur c'est engagement ça le prend pendant toute période campagne électorale il répétait tout partout et désormais ce président état hébreu Reuven Rivlin qui pral connaît qui est dans deux monsieur yo li pral choisi pour bali mandat pour monter une coalition pour diriger Israël. Ancien chef état-major Tsahal qui c'est l'armée israélienne Benny Gantz qui a fait premier zamni sous scène politique là, monsieur joué en pile sous question sécurité a et li promet depuis lui même qui monté, l'a fait face carré avec Hamas et qui donc palestinien yo dans Gaza et monsieur tout pas peur pas crainte li parler de le pas faire exécution et tout chef islamiste que yo ciblé yo d'après ça le dit et une façon pour le dénoncer le fait que Benjamin Netanyahu tout jour tant de Dieu li pas trivé faire ça donc li même l'a fait pire et Gantz et tout profiter faut que yo dit de popularité et aisance médiatique à Liel et qui c'est Yair Lapid qui c'est ancien journaliste vedette porte drapeau laïque Tel Avivio qui associé avec lui dans élection ça de monsieur ça yo promettent si c'est coalition paroi qui remporte la victoire
yon a fait yon parti dans mandat et puis la bay l'autre plan donc c'est deux premiers ministres en puissance en rotation yon a fait un parti dans mandat et puis la bay l'autre plan et pour faire et pour jouer place premier ministre en tout dans deuxième parti mandat donc premier ministre qui pral aller à Benjamin Netanyahu et monsieur capable revendiquer économie israélienne nan li et développer continuer développer li capable di sous mandat là li gen un bel bilan diplomatique qui ben impressionnant côté li rive fè États-Unis retirer ambassade dans Tel Aviv vinn metel nan Jérusalem et côté li renforcer rapport Israël avec un pays tankou Inde tankou Brésil tankou sous continent africain fè en pile gagne mais cependant monsieur tout ça fait longtemps sous pouvoir de commencer pas qu'à chaper à sa relève usure pouvoir parce que pouvoir l'homme a été longtemps avec ou vin fêlé et moun yo bouquet avant et l'elle compte depuis l'elle te prend pouvoir pour la première fois 1996 jusqu'à 1999 ça fait Benjamin Netanyahu et plus que 13 ans depuis il est en tête état Israël état hébreu un véritable record et qui même a tutoyé record fondateur nation ça David Ben Gurion et qui était fondé l'état hébreu avec aide pays occidental bien entendu et population tout commencé bouquer et yo ça parce que pas de en pile monde qui mobilisé vinn joine Netanyahu ba en pile accusation trafic influence corruption li même madame ni même petite li Benjamin Netanyahu s'il réélu est-ce que c'est deux choix présentés pour monsieur ou bien monsieur réélu pour la diriger pays a comme ça le couper zèbre en bas la justice qui a mené enquête sous li ou bien monsieur al directement en prison c'est ça Colette Avital qui c'est ancienne vice-présidente et la Knesset qui c'est parlement israélien déclaré et lui même qui appuyait tendance et Meretz qui c'est extrême gauche dans élection ça. Alors sans que pas connait exactement qui ça la justice pour le faire, il paraît clair que Benjamin Netanyahu te fait élection avant leur provoquer élection ça pour empêcher procureur l'état Ebouya continuer enquête la mener contre lui qui impliquait non pas qu'un dossier mais calcul il te fait en définitive est-ce que il était bien calculé son chance d'y prendre. Élection ça finalement gain en pile abstention citoyen arabe et qui vivent en Israël yo qui représentait environ un cinquième dans population et yo t'est arrivé faire élu une quinzaine de députés dans dernier législature dans la Knesset qui c'est parlement israélien dans ça ont fait une tête ensemble une union mais après ça chaque monde allait gain dégager pour contre et certainement yo pas gain plus que un point représentant dans prochaine législature dans le parlement qui a monté là n'a pas vini la caille pas nous pour nous parler de deux du feu matin et un du feu encore dans moins que 4 mois dans Rouville mené dans Bois Vernard c'est grand bonheur matin du feu ça a pété li boulé yon caille dans oui côté radio Kiskeya hier sous Bois Vernard mais c'est pas l'autre bord pas dans même bord avec nous et bord en face là et quelques témoins déclaré et quelques minutes après du feu a et du feu a été venu après il était fin bail courant dans zone là alors et pompiers t'est venu après plus que une heure de temps du feu a été déjà prend et pour te participer dans terrain du feu a et qui t'est commencé bail qu'est sauté et dans ça d'après gens que tout le monde dans quartier a été choqué et parce que c'est ça relé et choc post traumatique là en pile monde te peur pour du feu ça pas à attaquer l'autre caille et même caille qui très loin par exemple et gagne c'est dans zone ça bureau sofaillé bien que le très loin de côté du feu après mais il y a des monde qui te gagne ta peur pour il pas bouler dans occasion ça et maître caille là qui c'est Dominique Duval pas de cacher désolation avec émotion il fait connaître toute saleté gagne aller dans du feu n'a pas coûté qui t'ai parlé comme ça et Dominique Duval dans micro Joubert Joseph. Tu es pas dans ça, 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 tu es pas dans
Voilà, madame Dominique Duval, concernant du feu ça, bon, nous connaît et douleur ça, nous connaît souffrance ça, il perdu toute salle gagnée. Et ça fait deuxième du feu qui prend dans Rueville-Menéa, presque quatre mois après du feu qui a détruit Radio Kiskeya. Donc nous présentons la famille Duval là toute solidarité, là, toute sympathie. Une autre du feu éclaté matin dans le Caribbean Flavors and Fragrance S.A. et une usine qui transforme racines vétiver et fait tourner l'huile. Du feu ça prend bien bonheur matin tout dans zone Simon Pelé. Et du fait ça, selon responsable usine Jean-Pierre Blanchard, il dit c'est un accident qui ravageait des dépôts compagnons gain avec plusieurs autres parties dans usine, mais bureau administration épargné. Et jusqu'à ce que service pompier Delma avec pompier Port-au-Prince est arrivé pour limiter dégâts. PDG société et compagnie ça qui était en bas gros choc gros émotion pas en mesure pour te parler avec équipe radio Télé Kiskeya à un moment, mais nous te kawe et c'est gros choc et concernant et du feu ça. Et yon l'autre pas inspecteur Joisil Jean Ronald, responsable pompier Delma, li fait connait grâce à vigilance yo, yo réussi limiter dégâts quand même pour connait là c'est déblayage yo t'a fait dans moment de présent et li te parler comme ça dans micro Gervens Ricardo Jean-Jacques. Du feu a éclaté aux environs de 10 heures. Une fois l'alerte là annoncée et puis tout ça par pompiers d'Elmao avec tout équipement et matériel nous débarqué. Mais là nous arrivé là tenant compte de combustible et comburant qui provoquait incendie, ça permet du feu à prendre une grande ampleur et nous était obligé converger tout équipement et matériel d'Elmao et malgré ça était insuffisant nous était obligé mandé backup Carrefour Pétionville Bazessi et m'batil pote fri à 100% mais faut contrôler le contrôle combustible combustible au cap briller nous font un grand effort par rapport à difficulté pour côté appel là jusque là nous réussi maîtriser difficulté pas maîtriser même maîtriser c'est que c'est éviter propagation l'éviter le brûler toi bagaille éteindre même éteindre coller à la scène des blés nous est là nous était là parce que les blés depuis on fait des blés au balcon qui les cas une explosion nous obligé nous rester en stand by et laisser la ronde en matière de pompiers et puis nous a fait une inspection tout a fait des blés pour nous ramasser baillot pour nous ramasser bagages pour nous plier bagages pour nous rentrer. Voilà, c'est responsable pompier Delma inspecteur Joisil Jean Ronald et concernant du feu ça qui prend dans usine vétiver ça dans Simon Pelé. Madame Margaret Veya, c'est une victime collatérale de du feu ya, puisque Kylie nan voisinay usine nan, c'est un mur qui sépare elle ak usine nan et di parler dans micro non, di di et tout ça gagner boulet nan occasion du feu ça. N'attendez madame Margaret Veya toujours dans micro Gervens Ricardo Jean-Jacques. Dis-nous non, le différent a éclaté et côté noté, noté là. Noté là, dormi, non bloc, il n'y a qu'une là. Quand on m'a dormi, t'es comment sur toi là, moi,
d'échapper à tout différent qu'on a parce que c'est courant au bail même jusqu'elle me lever moi toute cabane de commencer pour différer toute bagaille boulette ne pas sauver rien on n'a pas victime c'est toute bagaille seulement nous perdre toute bagaille toute bagaille l'école les boulettes ça fait le bal l'école matin dans qui le dit fait éclater là dans les iné oui iné voile déjà iné demi-té parce que le dit fait éclater ça nous fait nous voulons sortir pour la mon petit mon tab valise de mon tab regarder quelqu'un dans un bad game c'est ma activité là comme que tu prends valise comme ça toute autre bagaille boule me pas prendre encore tu me pas que va voir différent à toute la fin pas prendre nous pas de sauver matériel et pièces importantes oui nous prend gain nous qui brûlé nous perd un pile bagaille là pile tout bagaille boule net me pas joindre même tout net brûlé parce que me pas rien en même il faut n'aller quand même quand m'a regarder pour me pas rien en même tout bagaille me fin perdu moi obligé camper. Voilà, victime collatérale du feu ça qui prend dans usine Caribbean Flavors et matin avant juin et c'est madame Margaret Veillac qui parle comme ça dans micro Gervens Ricardo Jean-Jacques Senan Simon Pelé. Actualité a toujours en province responsable combite paysan NIP KPN et Bertoni Pierre-Louis fait connait Jovenel Moïse montrer à clair pas gain volonté pour résoudre aucune crise. Laisse Jean-Michel Lapin choisi comme monde qui pour venir premier ministre Zamil pour venir premier ministre mettre Bertoni Pierre Louis fait connaître jouette président a pas joué à c'est pour le cas toujours Québec tout pouvoir dans main et dans ce ça il parler en faveur un véritable dialogue qui permettre pays à sortir dans crise d'hier Louis Jean Jocelyn pour plus de détails. Responsable en combite en paysan et KPN, maître Bertoni Pierre-Louis, fait qu'on ait une autre fois encore président de la République, Jovenel Moïse, montrer à clé les pas de volonté pour une solution à crise pays à faire face. L'aile prend décision, choisit premier ministre Jean-Michel Lapin, zamini pour venir diriger pays. Toutefois, dirigeant KPN a déclaré, c'est juste mettre dame, président a joué pour être capable de continuer, jouer privilège et puis sauvegarder pouvoir. Maître Bertoni Pierre-Louis. Je t'ai demandé que c'est acteur. D'achita ensemble, ben dit acteur, on dit tout haïtien, tout secteur pour chita ensemble, qui vous d'abord. Pour les bagages, moun qui pour t'initier, qui ça pour faire la pouvoir, pour la légitimité, n'y a pas reconnaître, il n'y a pas de légitimité. D'ailleurs, nous avons combien de tentatives qui fait, en y a pas de marché. Vous comprenez, même moun y a encore, même équipe, quoi, au moins, bon, n'est-ce que vous avez dit, 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 vous avez premier ministre qui t'a quand même initié bagaille ça. Oui, pour moi, il y a que c'est un dans votre tribu et que nèg yo c'est conserver seulement, il y a besoin de conserver privilège. C'est pas de nèg qui a aucun souci pour question que pays, pour pays débloqué, pour pays marché. D'ailleurs, nous ne sommes pas capables. Nous sommes une semaine passée, c'était en février, le pays a débloqué, valait shooter sur opposition, pays bloqué. Et même moi-même, c'est un panier en pile grève. Nous qui faisons un pays pour le réussir, j'aimerais le réussir pendant ce ben ça, que encore ces gouvernements, ça sont autogreffes. Ce sociologue a ajouté pour dire et n'a cité, pays a pas dirigé l'el considéré, même problème gaz, autorité pas qu'à régler dans le pays d'Haïti, profiter de en faveur, yon chita parler sans mesdames, entre tous secteurs, yon pourrait comment, yon capable de résoudre problème politique, socio-économique, pays a fait face depuis un bon bout de temps. Depuis Miragouane Métropole NIP, Louis Jean Jocelyn, Radio Kiskeya. Bartibonite, commissaire gouvernement Saint-Maclan, Wilgens Jules, et fait connaître enquête l'ouvri pour, concernant assassinat citoyen et pays Portugal, Felipe Joel Fernandez, qui perdu la ville, 28 mars qui se passe là, c'est un ingénieur qui était venu travailler pour lycée international qui est dans Saint-Maclan. Après, il était sur fond transaction la banque. Commissaire gouvernement Saint-Maclan fait connaître la police déjà arrêté yon moun, et puis tendez yon lot dans cadre enquête ça. Mais ça m'a déus. Pour plus de détails. Chef parquet Saint-Maclan, commissaire Wilken Jules fait connaître, yo déjà l'ouvri yo enquête pour joindre moun qui t'a assassiné Felipe Joel Fernandez, yo portugais qui était responsable construction lycée international Jean-Baptiste Pendissab 28 mars 2019 là pendant t'a rentré dans l'école là alors qu'il était sur fait une transaction dans une banque dans ville là. Nous visionner et bande bay dans banque là, nous gien pile et bagaille que nous ouais enquête nous continuer nous même procéder à l'arrestation de un monde dans cadre dossier ça et parce que nous gien des soupçons et n'a continuer enquête là si nous joindre plus bagaille pour nous voler cabinet d'instruction n'a voler cabinet d'instruction parce que nous gien l'autre monde n'a attendez parce que nous gien t'attendez plus que une dizaine de monde
dans Kassa, et population inclus. Et nous nous allons rentrer, nous allons compter plus de bagages encore parce que nous pas jamais lâché dans le dossier depuis même le fait là. Pour me battre depuis même jour le fait là même. Nous commençons avec des informations qui sont venues. Nous commençons, parce que M. Mbogan, c'est M. Abjoun Justice. Femme Zéo, banque la collaborer. Chef poursuite pénale là dit, il est déterminé pour mettre en bas code tout le monde, de près ou de loin, qui a participé dans Zach Malonet. Ça, l'important pour nous faire connaître, parents, élèves, et responsables au niveau établissement, te manifesté dans la rue de la cité d'Isaïe Sagé, 3 avril passé, pour demander justice. Pour Philippe Joël Fernandez, Balatiboni Semak, Milsa Madeus, Kiskeya. Gardons 5e section communale Pestel, Jacqueline, bien, Polite dénoncé Jacqueline, ou bien Jacqueline, et pouvoir en place non, qui pas voyager, garder section communale, yo, Kazak l'a mandé, ministère intérieur, ak ministère finance pour débloquer l'argent pour section communale, yo. Capable permettre de faire développement dans zone reculée yo li fait connait dans jour k'ap vini la yo y a prend l'autre disposition pour faire tendre revendication. Charles Emile Joassin pour plus de détails. Jacques Polite Cazet 5e section communale Pestel mandé ministre intérieur Jean-Marie Rinaldo ak ministre financement Ronald Décembre débloquer fonds section communale yo pour permettre Kazek yo faire développement dans section yo en même temps encourager président République la Jovenel Moïse pour que li passe instruction formelle by instance concernée yo pour que programme assainissement rive joindre paysan yo dans zone qui pire reculé yo section communale yo bon nous même qui c'est matrice collectivité ya nous même Kazek yo qui c'est ak Zoré moun k'ap bien dans section communale. Gardé Jean gouvernement a maltraité nous. Il a constaté pile gaspillage, pile jouissance, pile gagote ak privilège qu'a pas accordé passe par là avec un paquet de groupes d'autorité qui dit y a servi pays. Pourtant, c'est peut-être pas yo y a servi. Mais là nous connaît pas gain pays sans section communale yo et sans paysan pas gain la vie. Nous ka prendre pour exemple au grand assainissement, gouvernement parle de assainissement mais yo exclut section communale yo. Alors c'est paysan yo qui gain dignité qui vivent pas sur fond yo. Si ta gain assainissement que ta fait dans section communale yo, yo ta font ti corps, yo ta acheté un train tant que zone pas nous gain paysan qui dans marichère, yo ta pas acheté semence poireau, semence chou, carotte etc. Faut pouvoir gouvernement comprenne bagarre de l'autre façon. Bagarre arrive non kafou là, nous même Kazek nous pas capable encore et nous pas prêt de garder tout, n'a prend l'autre disposition si moun qui gen pouvoir autorité pour ça pas prend disposition ça yo que yo doit prendre à travers revendication que nous pral faire là. Tant coup nous connait gen 1 million de gouttes qui passé dans l'exercice 17-18 là depuis mois de novembre année passée à l'annoncer un protocole d'accord tout Kazek en général alors que comme ça réduit à 731 000 gouttes mais jusqu'à maintenant pour que j'aime virer sous compte section communal yo. Kazek Polite aller plus loin pour dénoncer gouvernement qui baille plus importance à débiter yo sénateur nan baille yo l'argent pour satisfaire propre tête yo au lieu de satisfaire développement dans section communale yo. Charles Emile Joassin, Radio Kiskeya, Jérémy. Merci magistrat commune Thomas Seclan Wilma François dénoncer plusieurs autorités et qui dans justice tant que Thomas ou bien Inch qui gen responsabilité nan alimenter insécurité parce que y a vendre justice dans Antigodette. Magistrat fait connaît insécurité qui blaye dans juridiction ça c'est résultat mauvais comportement quelques juges ak substitut commissaire gouvernement dans diverses actions yo commettre des dos la loi. On est l'audat pour plus de détails. Combattre insécurité à la commune Thomasique, c'est pas un travail facile à cause d'absence volonté beaucoup d'autorité la justice. Déclaration chef municipalité à Wilma François fait dans la presse le 8 avril 2019 là. Sur le responsable là, vol des ordres avec insécurité cap mine commune non, c'est résultat mauvais comportement juge dans le tribunal de paix Thomasique à qui ont substitué commissaire gouvernement non pas qu'un inch là. Wilma François, pas de mettre de l'embauché pour le critiquer. Yon nan juge yo nan tribunal de paix Thomasique, à qui yon substitut commissaire gouvernement nan Inch, qui m'a connaît force yo, pour vendre justice ta koulo patate. Maïska François ajouté pour dit, gen yon réseau nan Thomasique, qui nan connivence à qui yon juge de paix, pour arrêter moun, faire yon passer paquet de temps nan garde à vue, et puis voye yo devant paquet Inch, côté gen yon commissaire captain yo, pour déchapier yo, et sa fête, en dehors de la loi, d'après Maïska Wilma François. Au niveau de la ville, au niveau du département, au réseau ça, c'est plein de monde, vous pouvez pas être
Wilma François, c'est magistrat commune Thomasic, une commune frontalière à la République dominicaine, les tout près municipalité Pedro Santana, côté souvent à Tufayo Fezak, alors Fezak en Haïti, et puis Koui al Kaché. Et lorsque vous retournez, yon titan, yon tourne dans Fezak, un mauvais effet. Numéro un commune Thomasic l'a dit, seul et unique moyen pour ce problème dans Thomasic, faut gagner pas ses mains qui fait dans la justice. Il dit, si pas ses mains en fait, population capable de soulager. Au plateau central, Wenelodat, Radio Kiskeya. Et puis nous parlons dans l'île de Lagonave, un monde qui a vive Lagonave levé voyou pour dénoncer misère grand goût et insécurité qui a fini avec yo. Yo fait connaître, yo lagué deux bras balancés, yo pas gain aucun secours, pas gain ni relais ni répondre, pas gain commissariat, pas gain bureau l'état. Yo a voyagé sous la mer dans mauvaises conditions violentes chaque jour. Yo mandé gouvernement Port-au-Prince prend responsabilité pour rider yo même sous Iléa. Jean Preston Toussaint pour plus de détails. Habitants sous l'île la Gonâve dit yo pa konnen a ki sen pou y adresse yo nan souf jou après jour selon habitants yo en pile ti moun ki te commencé aller l'école pa ka continuer d'après yo ti moun yo dormi gangou yo leve gangou ti moun yo pa capable aller pour yo retourner yo obligé kembe ti moun yo la caille yon l'autre bord habitants yo fait konnen pa gen justice sous l'île ya de grenan juge de paix pour deux communes, c'est papa et petite. Papa en Sagalè, petite là pour ta raquette, pas gain commissariat en Sagalè chaque jour. Au cas joine deux ou trois grands policiers en bas, yon pied bois, cap paré soleil, population même lagué sous compte bon Dieu bon. Causé deux grands policiers ça yo toujours à pan plein pour conditions difficiles, yo dit y a travail plus loin. Habitants Gonavienyo plein en pile sous condition yo di y a voyagé pour yo même le jour yo mette pied sous wafa carrière là yo wè li pa effondré avec yo yo di c'est yo grâce n'a fait remarquer population gonavienne là di li lagué de bras bandier sans secours autorité centrale yo pa gen infrastructure pa gen aucun bureau l'état construction l'école grand goût misère à partout ici habitant yo toutefois habitant yo sous île a dit autorité centrale puis les îles Lagonave sauf dans période élection cou yo fin joine pouvoir oublier Zilea Jean Presto Toussaint Lagonave Radio Kiskeya. Merci Jean Dedouli. Nous pour aller connait là ancien député Vikens Derilus qui membre comité solidarité Kiskeya qui souterrain qui a fait déplacement pour comité a li nan micro Beethoven François Fils. La di nou nan ki point démarche comité ay. Nan pedi rapidement en Beethoven en pile l'activité qui était bloquée à cause situation pays a. Nan parlé de représentation pièce théâtre Cavalier Polka avec Amoalaï production. Bal septembre qui était doit programmer bal classe musique nou damou Kiskeya que nan reprendre son l'autre format nou damou Kiskeya pirède. Toute activité ça yo à l'étude pour nous garder qui date qui joue qui côté et n'a pas mettre yo pourtant ça qui rete gros morceau à pourquoi il n'a pas parlé là c'est pèlerinage n'a fait à travers tout pays mais qui déjà commencé notamment dans la Tibonite pour permettre que RAF qui prévoit pour fête 7 mai cap poché là rive en réalité pas oublier que nous te dit RAF là la on RAF national ça veut dire que ticket va vendre tout partout sous pays d'Haïti soti Jérémy Rivewanamet soti Lavalle Jacques Mel pour Albout juste Bon Saint-Nicolas en passant par Savanette Nibalet et Latrier donc on capable joindre ticket RAF Radio Kiskeya acheté RAF là après gagner diverses autres primes de consolation mais RAF là c'est on Hyundai Eon que sous l'auto te fait nous cadeau et nous décider nous-mêmes pour nous vendre pour 100 goudes seulement. Entre-temps, côté qui déjà gagné et billet dans la Tibonite. Dans Saint-Marc par exemple, ou à Adélaïde Resto,
ou à venir dans Bonjean supermarché, ou à venir dans radio et tête à tête dans marchand de saline toujours dans la Tibonite. Ou à venir ticket Raf Radio qui s'est acheté dans Chantouze mini bar, ou à venir et tout dans Trivia la Tibonite, Kaifi Pokin Kairi dans solution multiservice et toujours dans Trivia, alors que dans Verret ou à venir dans au bon prix dépôt d'hiver Marilyn boutique. Ou abjoint tout dans base Ficus ak nan univers librairie papeterie. Sous ces marques, gen SOS Kiskeya qui se yon comité qui te mette sous pied pour permettre que yon organise des activités, yon reprenne service tout. Donc, avant longtemps, tout le monde Saint-Marc particulièrement, konnen ki jou gwo mobilisation pour voter collé à Radio Kiskeya, a organisé. Donc, pourquoi il y a la Beethoven pèlerinage d'après poursuivre? Et d'ici semaine ça, nan kapab ba ou tout côté sous la Tibonite, ou ap jwenn ticket Raf Radio Kiskeya acheté. N'a voye un gros coup de chapeau pour divers cabinets d'avocats, notamment dans ce match pour te couper, qui déjà acheté divers tickets. Nous voulons parler du cabinet Altès Toussaint, ancien député 41e législature, ak cabinet maître Franck Jean, qui déjà eux-mêmes et pour te couper avec nous, dans le pèlerinage sa capelette, pour permettre que yo rive mette Radio Kiskeya on connaît tout weekend gain plusieurs activités qui étaient prévues pour être organisées mais qui étaient obligées à annuler à cause des soucoustes politiques. Comment ça y est pour l'instant? L'activité ça qui sous table qui à l'étude, n'a regardé qui joue, qui date, qui côté, n'a parlé là de on bal classe musique à penser oui qui était annulé à cause soucoustes pays. Eh ben nous d'amour qu'est-ce qu'il y a à traverser pour nous d'amour Pired, nous d'amour qui se fait Pired. Bal classe musique Noël Renchoa. Nous déjà en pour parler avec tout le monde qui est impliqué, concerné, pour nous garder qui joue, qui date bal ça. Nous avons un gros coup de chapeau tout là pour, et nous capable de dire, et comité, et cap gérer septembre. Docteur Ben Paul, qui était déjà lui-même, et mettait septembre à la disposition, nous-mêmes, j'ai Tropicana TFL, gagné un bal et association magistrat, alors mairie, à organiser pour Kiskeya. Magistrat Jude Edouard Pierre après entrer en contact avec nous pour nous garder qui joue, qui date et activité ça apprend. Voilà, c'est député Vikens Zeridouis, une porte-parole comité solidarité Kiskeya qui souterrain qui a fait une tournée. Alors tout le monde pas oublier porter collé à Radio Kiskeya sans goud pour qu'a acheter un ticket pour participer dans Rafsa qui prévoit pour fête 7 mai qu'a fait Radio Kiskeya 25 ans mais quoi il est là n'a couru sous 4 mois depuis au boulet Radio Kiskeya. Jean que nous connaissons. N'a faut la campagne n'a retourner tout à l'heure. Olapale.com ou toujours sur Radio Kiskeya, on va suivre un journal 4 heures. Merci de ce qu'on fait Radio Kiskeya confiance pour informer. On va retourner encore à l'actualité internationale là pour nous dire au pays Algérie, gain un nouveau président par intérim. Président ça gain 90 jours selon constitution pour organiser élection. Nouveau président ça qui c'est un pur produit système non et qui est Abdelkader Ben Salah. Peuple a déjà dit au parler monsieur. Monsieur prend engagement journée jeudi pour organiser une élection présidentielle. Il dit qu'a fait dans transparence et qui a fait normal. Dans premier discours fait et discours pour parler à la nation et au transmettre en direct dans télévision nationale pays Algérie. Et il dit nous-mêmes, nous toutes, nous avons responsabilité citoyen, classe politique, institution dans l'État pour nous rassembler toutes conditions qui nécessaires. Et pour nous faire une élection présidentielle qui a fait en transparence et normale. Et que qui nous tous nous devons porter nous garant de l'élection. Ça, une élection qui a permis au peuple noir d'exercer choix de façon libre et libère, de façon grand monde, d'après ça, dit pour choisir monde nivelé. Et nouveau président par intérim, non, prend engagement tout pour organiser l'élection dans la date constitution prévoit. Ça veut dire 90 jours, 3 mois. Et il dit tout, dans la route, nous entrer là, nous allons traverser le pays, et nous allons traverser, nous commencer avec une phase qui est extrêmement importante, et qui c'est remettre de façon constitutionnelle pouvoir bailler un nouveau président qui a élu démocratiquement dans le temps constitution prévoit, qui ne doit pas dépasser 90 jours. À partir de jeudi, 90 jours a commencé,
Joum entré en fonction en tant que chef l'État. D'après ça, président par intérim nan, va poursuivre pour le dire. Abdelkader Ben Salah, avant ça, c'était président Conseil Nation, qui c'est Sénat, dans le Parlement algérien. Il a joué une nomination après réunion qui était faite en Assemblée nationale entre Sénat et Chambre des députés. Il est nommé comme président par intérim une semaine après Abdelaziz Bouteflika. Bouteflika obligé de démissionner, c'est parlementaire qui nomène. Et alors que pendant que réunion s'est faite dans le Parlement, eh bien dans la rue, étudiants ont commencé à manifester. Ils ont fait rassemblement dans la rue capitale là. Et là, on nomme Abdelkader Ben Salah comme nouveau président, genre que constitution algérienne n'en prévoile. Et en tant que président Sénat, manifestation était commencée. Pour te dire Ben Salah, démission, Ben Salah, démission. Il fait partie de 3B, peuple algérien, Dieu parle. Algérien, continue à manifester sans garder derrière pour réclamer et tout le monde qui fait partie du système. Et Bouteflika pour tout rachèman yok yo, et yo fè konnen yo pa en affaire ap Abdelkader Ben Salah ki gen 77 ans, ki se yon pur produit régime et Bouteflika. D'après ça yo dénoncé. N'a pas vini la kay pa nou côté madame Yvette Miracle ki se maman Jackie Miracle Tiabo, petit garçon, seul petit ki te gen. La police assassiné samedi qui s'est passé là dans zone qui pas tellement loin cathédrale là dans zone qui pas tellement loin tout lycée Pétion et nan micro Ketia li a parlé nous de qui Jean lié et choc ça le prend coup ça au bal des têtes et qui Jean dossier a pas avancé. Mais d'après deux signes, si tu n'as pas de en balle lui-même, on dit l'autre jour que tu n'as pas de en balle. L'autre jour, tu es à terre parce que tu n'as pas de balle dans le pied. Mais j'aime, si tu dis pas de lui-même, il levait le maillot à ses souliers, bien haut, il levait le deux mains à l'air, il dit chef. Je ne veux pas qu'un jam, je ne veux pas qu'un jam soit fait, je ne veux pas qu'un jam soit fait. Mais qui dit même, pas qu'un jam soit pas gagner sur moi. Vraiment, pas gagner sur moi. Chaque fois que je suis en train de me loin, c'est vrai. Je pose le question. Je dis à bon monde qui est avec moi. Trois fois que je suis en train de me dire, il y a des gens qui nous mènent dans le bagage. Je vais te demander ça. Bon, continue. Bon, continue. Bon, continue. Je dis un truc. Je ne vais pas regarder des bagages là, madame. Pas qu'à la photo là. Si on a des photos, je ne pas garder. Il levait maillot en l'air, par contre, madame, on parle de photo. Il levait des mains en l'air, mais il laisse l'occasion de lever mains en l'air. Pour te capter, parce que c'est pas, moi-même, par contre, il est inexplicable. L'inexplicable, petit, moi, je viens devant le matin, je dis, maman,
Bon, mon bagay manger, non, parce qu'il bon pour le samedi et le dimanche, mon coufilo. L'alpha, il dit quoi, mon papa aussi. On va à l'école matin, il dit, je vais aller, oui. Je vais aller, mais. Mon grand goût, bon, mon bagay manger. Je vais dire, oh, là, je vais le demain. Depuis hier soir, je vais le manger, je vais le chital, je vais le manger. Il était bon, pas au souli, il me dit, pas mal, je vais à l'école matin. Il dit, non, pas. Changer le même gros côté me parler avant. Quand il y a ce constat, tout, les sorties, en retourné, ni, mon qui est capable de me passer, moi, pas qu'on aille. C'est là, je rencontre lui, je triple, je assassiné. Ok, c'est qui l'âge qui t'a gagné? Bon, petit là, nous pouvons le faire en 89, c'est 89, juillet. 89. Il va y avoir 30 ans, est-ce que nous déposons plainte? Qui démarche légale nous fait? Bon, moi-même, pas cabal côté ça. Je connais parce que moi-même, famille me suis envoyé chercher. Moi, c'est un monde qui fait attention. Parce que moi, choc la trois pour moi. Choc la trois pour moi. Même, ouais, il y a dans la police, il y a une déclaration. Nous, pourquoi cap me dit, c'est tellement passé. Moi, c'est musulman si mon mieux. C'est eux-mêmes qui les veulent moi. Ils ont pris un liste dans la présence famille, ils les veulent moi. Sans présence juge de paix, c'est même eux-mêmes qui tuent là. C'est même eux-mêmes qui les veulent moi. Ils les mettent dans mon clé. C'est eux-mêmes qui tuent les garçons. C'est eux-mêmes encore qui les veulent moi. Ils les mettent dans mon clé. Je ne peux pas comprendre. Ce n'est pas volé. Son assassinat volontaire. Son assassinat volontaire que la police a fait. La police n'a pas fait ni son coup. Ce n'est pas volé. Voilà, c'est madame Yvette Mirac qui c'est maman Jackie Mirac Thiabo et nous connaît la police assassinée samedi qui s'est passé là et dans cadre d'un incident qui était pour déterminer exactement qui ça qui t'est passé dans zone là mais moun yo mon en bas la ville tout yo konn machine ça yo rele li machine Zoreke sans porte pompier la pompier avait dit commissariat Port-au-Prince. Faut que nous di ou inspection générale police là l'ouvri yon enquête et sous et l'anmò Thiabo. Jodi a te gon délégation qui te vini côté Radio Kiskeya même di que moi même pas là pas assister ça qui passé a. Moi un seul bagay moi connais Thiabo c'est pas un bandit et ça m'a défendu et m'pa quitter pour touyer le deux fois. M'pa quitter au sale non. Mais yo gen rendez-vous ak Yvette ak Fami Thiabo dans cadre enquête la police d'ouvri. Faut que nous doutou gen organisation k'ap défend droit moun k'ap fait promotion droit moun dans pays d'Haïti RNDDH qui ap travail tout et sous et k'ap ki l'ouvri enquête sous sa passé. D'ailleurs faut que nous doutou monsieur Pierre Espérance te rend madame Yvette Mirac visite ensemble avec dimanche qui s'est passé là la caille. C'est dans point ça dossier aïe. Et puis famille en tout à peine des matchs parce que koué Yvette Sodili Thiabo li te fait choix religion musulmane qui gagne façon yo traiter za faire les moun mouri qui pas ka rester trop longtemps et nan mog et donc et gagne toute mobilisation ça qui a fait et pour prendre décision et concernant et question enterrement mais pour connait là pourquoi gagne date qui fixé et c'est dans point ça situation yé. La police, inspection générale, l'ouvri yon enquête sous dossier ça. Et n'ap gen avant longtemps pour nous ba ou plus détails concernant diverses enquêtes qui menaient et sous ça qui t'est passé samedi. Et ça doit là, nan moment Thiabo pral sorti, il était informé, il était connait te gen incident la ville là parce que il était parlé de ça avec des monde qui était proche. Il dit, il pral la ville là, mais il apprend gen incident, il dit mesdames yo, c'est nan main yo pote sandal yo pour ka kouri. Dans sa moun yo décourager l'autre dit mais pas aller la ville là il dit non dans zone moi pour aller am pas quoi ici d'arriver là et c'est comme ça monsieur d'après elle perdu la ville. Nous toujours à présenter journal là et kounye là nous pour parler de désignation monsieur Lapin qui était déjà dans poste premier ministre par intérim représentant circonscription Marie Goa dans chambre député Deïs Deonette dénoncé Jovenel Moïse et peut-être des nommés premier ministre par intérim qui était déjà dans le gouvernement yo mettait à terre Jean-Michel Lapin
comme moun li vle pou vin prochain chef gouvernement. Selon parlementaire, président Jovenel Moïse roule tout moun ki te al défilé nan palais national pour al parler avec des affaires premier ministre, li roule yo yon l'autre fois encore nan farine parce que il était déjà konn qui est li pral choisi. Député Deus Déhonnête annoncé li écrit président chambre député à Gary Bodo yon lettre pour mandel permettre assemblée à pencher sous demande mise en accusation. Alors c'est un groupe député dans opposition qui te mandé ça, mais nous connaît et député pas trouvé lettre ça, il pas trouvé démarche ça parce que son seul yo était c'était ça pour te voyer séant aller parce que il dénonçait violation constitution et président fait c'est un groupe 14 députés qui déprend initiative là que l'autre député pareil dans majorité présidentielle là bail vague. D'après lui-même, l'Assemblée a dû pencher sous dossier ça avant séance ratification et premier ministre qui désigné. Mais nous connaissons qui Jean s'apprête à passer. N'attendez député Déhonnête, Deus Déhonnête, dans le micro, Vilner Joseph. Monsieur Lapin, qui fait partie d'un gouvernement qui censuré par la Chambre députée, comme une action qui manquait de sens et de responsabilité de la part du président de la République, du président du Sénat de la République et du président de la Chambre des députés. Puisque c'est eux trois qui étaient en consultation, qui sortit avec un premier ministre, qui sortit avec une liste réduite, en plus, un premier ministre. Moi, je comprends que la situation, ça, ou nomination, lui montrer quelque bagaille dans la société. Pour les bagailles, quantité de monde qui a défilé dans la consultation avec le président, pour moi, même monde qui a passé dans le jouet. Ou du moins, c'est une situation passée. Mais quand un gouvernement révoqué par une chambre députée, pour n'importe question, saleté, soit corruption, soit pour inefficacité ou manque de travail, donc, si je dis en dans même gouvernement ça, ou quand il y a la donne pour venir chef gouvernement, ça a les cachés en bagage. Soit un bagage bien déterminé, yo a défendre et que c'est dans même équipe là pour yo jeune monde qui a défendre, ou du moins nous avons une crise monde, pas de monde qui a présenté nous qui pour chef administration publique là en Haïti. Mais par-dessus dénomination, préoccupation nous autres, j'aimerais écrire président chambre députée, c'est que nous demandons de vous accorder un bénéfice de l'urgence à deux modes nous pour faire séance de mise en accusation président de la République là. Puisque nous gagnons demande de mise en accusation président qui déposé dans le bureau il y a longtemps. C'est après le programme séance interpellation qui était jeté pour le ministre Jean-Henri Séant avec tout le gouvernement. Non? Et je dis à nous pas quoi, pour qu'il y ait une éventuelle séance pour ratifier un nouveau gouvernement quelconque sans qu'il n'y ait pas penché sous séance de mise en accusation président de la République. Non? Donc c'est ça qui est question pour nous et que nous demandons et président chambre députée pour lui-même li statuer sous deux modes de mise en accusation hein, permettre à ce que la conférence des présidents fait pour nous capables faire tenir séance ça pour nous peuple capable de comprendre qui ça qui passé président qui passait devant chambre députée et qui sortit pour rejoindre confiance peuple là et joindre légitimité li par rapport avec accusation de violation constitution hein, ou du moins est-ce que nous bon président tout bon qui fautif et que majorité chambre députée a voté et mettre dans l'accusation. C'est pas du tout nomination. Hein? Et depuis date, nous faisons demande là et chaque temps, nous avons fait forcing pour que nous gagnions. Et nous gagnons séance mise en accusation qui fait et que gagnons une sorte de négligence qui peut être côté bureau chambre députée. Hein. Ou du moins, si ce n'est pas négligence, c'est qu'on fait exprès par le président chambre députée hein, pour lui banaliser des modes mise en accusation que nos 14 collègues députés dessinent. Voilà, c'est député Margoa, Deus Déhonnête, dans le micro Vilner Joseph. Pour le secteur démocratique et populaire, pas aucun événement. Ça n'a pas qu'une importance le fait que Jovenel Moïse désigne Jean-Michel Lapin pour aller comme premier ministre définitif. Et selon une porte-parole organisation ça qui se met André Michel, il dit ça pas changer rien dans bataille politique qui gagne journée jeudi à dans pays. On attend dans micro Ketia Jean-Pierre Tello. Pour le secteur démocratique et populaire, la désignation de Monsieur Lapin n'a aucune importance politique. D'ailleurs, nous avons toujours dit
nous pas intéressé à qui est-ce qui était pour éminer, est-ce que c'est lapin, est-ce que c'est chien, est-ce que c'est cabrit, est-ce que c'est coq, est-ce que c'est pintade, est-ce que c'est poule. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a un système qui ne fonctionne plus, un système basé sur l'exclusion socio-économique, un système qui a mis en quarantaine les jeunes, les femmes, les paysans, les couches populaires. C'est ce système qu'il faut changer. Comme Jovenel Moïse est l'un des chiens de garde de ce système, nous disons, un, nous voulons sa démission. Deux, nous voulons la réalisation du procès Petro-Caribé. Et trois, nous voulons l'organisation d'une conférence nationale haïtienne souveraine pour jeter les bases de l'émergence d'un nouveau projet de société. Voilà le combat du secteur démocratique et populaire. Maintenant, nomination lapin, nomination cabrit à la primature. Franchement, cela ne nous intéresse pas. Cela ne peut rien dire pour le secteur démocratique. Je suis sûr que ça n'a aucune importance pour la population haïtienne. Nous allons continuer notre combat. Moun qui t'a allé dans le palais national, qui t'a cherché job, nous avons le droit pour un job. D'ailleurs, nous leur reconnaissons le droit de travailler dans le gouvernement de leur pays. Son droit au gain, c'est ça, vous avez cherché pour n'y aller rejoindre. Vous pouvez le mettre ministre, vous pouvez le mettre directeur général, vous pouvez le mettre chef service. Parti politique, ça y est, mettre à libre. Mais nous autres, nous allons rester sur le terrain des revendications populaires. Nous allons continuer à accompagner le peuple haïtien jusqu'à la satisfaction de ses revendications légitimes. Constat et point pile mon éclair, c'est une opposition qui est en moment de faiblesse face avec pouvoir qui vient de prendre force. Le pouvoir n'est pas en position de force. D'ailleurs, les revendications sociales de la population n'ont jamais été satisfaites. D'ailleurs, c'est bon parole caravane qui t'a parlé par un fait là-dedans. Et jusqu'à présent, son pouvoir qui n'a aucune légitimité populaire. L'opposition a quand même pu mobiliser le pays le 17 octobre. Nous avons mobilisé le pays du 18 novembre jusqu'au 22 novembre 2018. Nous avons réalisé une grande mobilisation du 7 février au 17 février 2019. C'est sûr, dans toute bataille politique, il y a des moments de cassure. Ça va arriver, mais un moment de cassure. Mais une chose est sûre, la population en croit que le combat de l'opposition, son combat qui est juste. D'ailleurs, l'opposition et la population mènent le même combat. Démission Jovenel Moïse, procès Petro-Caribé, et changer le système économique, social, ça, qui n'a pas fonctionné, qui mettait le pays en situation de misère totale. Et sur ce point, j'ai la conviction que la population retrouve l'opposition dans cette bataille. Et malheur à celles et ceux qui croient que le pouvoir de Jovenel Moïse est aujourd'hui en position de force. C'est une fausse façon de comprendre la situation, ça n'existe pas, c'est un pouvoir illégitime, un pouvoir affaibli, un pouvoir impopulaire. Et vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays dans les prochaines semaines. Maître André Michel, porte-parole secteur démocratique et populaire, qui t'a parlé comme ça, organisation politique, dans le micro, Kétia Jean-Pierre Taylor. Dans une conférence pour la presse, Jodia, Ronnie Timothée, qui t'a parlé dans l'organisation Vive Haïti, et présenté et parcours Jean-Michel Lapin en relation avec Joseph Lambert, il estime qu'il prend cours parce que il dit Joseph Lambert a pas chauffé pour le poste premier ministre. Non, nous l'autre partout, il parlait de commerce gaz. Non, en pile et mon dans secteur tête calé a envahi terrain commerce. Ça, il parlait de président avec madame ni et qui voulait pour prendre contrôle question acheter gaz non à travers compagnie de nouveau. M'attendez. Porte-parole Vive Haïti, Ronnie Timothée, dans conférence pour la presse côté Vladimir Maurice Ridoré était présent pour Radio Kiskeya. Vive Haïti, mouvement social et politique, prend note que Jovenel Mante choisit Lapin comme nouveau premier ministre pays. Pour yon bagay n'a pas appelé peuple haïtien, Lapin, son nègre, c'est petit garçon Joseph Lambert que lui, qui jouait nous couloir sous Michel Malfini, lui mettait lui comme messager dans le ministère de la culture. Lui jouait nous deuxième couloir, lui mettait encore comme chef service dans le ministère de la culture. Et lui va venir jouer nous entente avec Edwin Zeni, seul pour venir ministre culture, et lui jouait nous entente avec Michel Malfini. Fini. Même époque là, il vient mettre monsieur administrateur pour régler les affaires l'argent, les affaires fiches gazi, les affaires petit contrat pour le bail moun la kaeli et la trier. Et par la suite, même Joseph Lambert ça pas venir joindre l'autre entente encore avec Michel Malfini, lui monter comme directeur général ministère de la culture. Et je dis, c'est Jovenel Mante président pays là, Joseph Lambert entendu avec Jovenel Mante, il vient monter monsieur ministre culture et deux ministres culture, la chambre des députés relé Jean Rissian, il censurel, ça veut dire tout gouvernement tombé.
Et Joseph Lambert qui vient entendre avec Jovenel Moïse, lui dit mettez la paix comme premier ministre AI pour moi, en attendant mal fait pièce moi pour nos mêmes premiers ministres. Et vous pouvez venir joindre, bon bon leader tête chat, bon bon parti politique sous coup cachita avec Jovenel Moïse qui entendre pour mettre la paix comme premier ministre définitif. Ça veut dire équipe ça cachita avec Jovenel Moïse, yo bail Joseph Lambert un coup. Avait dit Joseph Lambert qui prépare toute pièce pour le ministre, pour le premier ministre, et puis c'est ça, yo entendre avec la paix. Je dis là où est la paix prend toute étape ça yo. C'est pas payé t'a servi, c'est Joseph Lambert t'a servi qui donc pour nous même au niveau Viva Haïti, nous c'est pas prendre grade, nous c'est pas prendre donne, nous c'est pas grandi. Je dis hein, tout le monde d'accord, c'est la Jean Petrocaribe nèg yo volé et puis ouais pour pas pouvoir passer par là et je dis à fond d'accord tout. Eh bien pompe gasoline ça yo c'est la Jean Petrocaribe et fond d'accord tout que le Jovenel Mantel, quel était série de Martine Mantez, yo nan sacré les nouveaux non Jambi on se dit là. Eh bien yo nan nouveaux kounya là y a tout l'état pas gain cob pour acheter gaz qui donc yo même yo choisi je dis là. Il y a retiré question gaz là dans l'état pour ces compagnies pa yo qui rele Novum qui a acheté gaz pour venir vendre peuple là. Pas gen kòb pour acheter gaz au niveau de l'état mais gen kòb pour Novum acheter gaz. Et je dis hein, ou vinn wè non seulement nèg yo senti yo pa ka monter gaz là sous tête peuple là qui ça yo fait. Yo entendu avec raquette, yo rele vinn prend gaz là dans droum, dans conteneur la nuit et le lendemain pour y al vendre gallon gaz 500 goud, 600 goud à Port-au-Prince et 1000 goud dans les villes de province. Si n'a côté là à partir de arrêté ça sorti là, ça pral fait Jovenel Moïse quatre premiers ministres. Objectif là, rien pas changé pour peuple là. La Cour des comptes dit compagnie Jovenel Moïse yo tout néré dans l'argent Petro-Caribe qui sont attendre. Sou pa kòb pa nomé ou. Je dis à me penser que doué bon rapport sorti pour dire Jovenel Moïse pas digne d'être président pays là, li impliqué dans question blanchiment d'argent, li impliqué dans gagoter l'argent Petro-Caribe, li doit pénitencier même Jacques Bion Timothée et tant d'autres innocents qui t'a pénitencier. Voilà, c'est porte-parole Vive Haïti Aroni Timothée. Et c'est une occasion conférence pour la presse. Organisation ça baille. Et après échec opposition saute prend pour annoncer date première 18 mai. Il y a kembe deux journées ça yo et pour faire mobilisation d'après ça dit dans tout pays. Et c'est ça annoncé jeudi à dans conférence pour la presse. Donc, yo critiquer mauvaise gestion équipe en tête Kalea et mandé population préparer pour mobiliser coordonnateur général Vive Haïti à Biron Odige fait connait président chambre député Agari Bodo ak zanmil déjà dépensé plus que 152 millions goud et nan la chambre nan nan ki sont manger ak café Biron Odige fait un plaidoyer en faveur respect mandat directeur général police nationale là Michel Ange Gédéon li di ki pata doué bout avant date 29 d'août 2019 d'après ça il était tout profiter critiquer massif chauffeur machine ak moto a ponté pour joindre gaz n'a tande coordonnateur général Vive Haïti en bureau dirigé dans conférence pour la presse à côté Vladimir Maurice Ridoré était présent pour Radio Kiskeya. Population en a parlé Théo 1er mai à 18 mai pour venir là mobilisation pour reprendre en dans pays et quel que soit côté où il a commencé préparer à travers sitting conférence de presse etc. pour nous continuer pour nous faire préparation pour mobilisation 1er mai à 18 mai pour venir là journée aujourd'hui nous constater de jour en jour question moralité question éthique ça c'est fin disparaître dans mitan société noire il y a une bagaille qui à la base toute bagaille ça nous voulait parler des questions corruption jodi c'est avec un pile tristesse l'en a constaté qui gens yon institution qui là pour le contrôler pouvoir pour le sanctionner pour le faire loi pour le voter loi et ces institutions ça même je ne veux dire que c'est maman corruption l'en prend par exemple la chambre des députés le protéger tes premiers ministres hein, yon vini avec une bonne parole et yon n'a pas parole yon parler des questions corruption je dis hein, pour nous en dans chambre des députés hein, à peu près 152 millions de goud Gary Bodo avait 600 000 dépensé pour faire qui ça mes amis pour nous acheter petit bidon de l'eau qui vend 25 gouttes pour nèg la boire un petit café chaque matin li dépenser 152 millions de gouttes finalement c'est pour nous dire je ne veux dire qui ça n'a fait à payer c'est ou bien nous toutes nous plonger quoi nous dans corruption et ou bien nous camper nous bataille contre corruption et c'est bataille contre corruption ça même je ne veux dire peuple haïtien doit impliquer davantage la donne parce que l'eau pour nèg tant que Jovenel Moïse dans question corruption li déjà un monde qui prend comme inculpé non gaspiller dans voler l'argent bid
journée aujourd'hui non cité parmi moun qui volait l'argent Petro-Caribe aujourd'hui dès qu'il est en a parlé ça fait nous même nous dit avec société avec population haïtienne que on prend responsabilité d'ailleurs pour question gaz nous avons qu'on raté gaz l'état dit tout monde a dit parce que pas rien comme mais écoute pas bien l'état acheter gaz avant pas rien gaz qui vend à crédit tout monde consommateur qui a acheté gaz yo paye gaz là avec l'argent yo mais écoute comme ça même si gen un parti dans quoi là yo te prend pour te jeter premier ministre que même yo te mettre premier ministre mais reste comme là pour qui ça journée aujourd'hui nous tout nous accepter pas rien gaz et puis nous tout pratique bidon nous balle des gaz seul côté pour nous dans pays d'Haïti même penser société à l'autre fois encore pour caliser le plus grand et l'autre dossier nous même nous voulons prendre c'est dossier directeur général la police là mandat a fini n'a dit ça encore à haute voix pour peuple haïtien directeur général la police mandat a fini 29 août 2019 arrêtez de nommer directeur général la police ça c'était lundi 29 août 2016 mandat beaucoup fini si n'a pas l'aider pendant l'immunité là comme intérimaire lui compter dans date là m'en dit c'est faux je dis là la paix comme un premier ministre intérimaire si n'a pas l'aider premier ministre qui passe qui vont jeune vote de confiance dans niveau parlement pour parlement légaliser la paix beaucoup là mais la paix premier ministre la paix pour le premier ministre définitif le chambre député avec sénat yo ta bal vote de confiance comme bagala son type passe bagaille bay l'argent et ben c'est le ça monsieur a vinn premier ministre ça veut dire le directeur général la police là dans un premier temps directeur général direction générale la police c'était là comme par intérim il t'a géré affaire courante dans la police et bien journée aujourd'hui le à partir de 29 août le vinn arrêté à sortir 29 août 2016 arrêté à pas sortir c'est le ça Gédéon pral devenir directeur général la police. Voilà, bien dirigé à la tête organisation sociopolitique Vive Haïti ensemble avec Ronnie Thibauté dans conférence pour l'après jodia sur conjoncture politique là côté Vladimir Maurice Ridoré était présent pour Radio Kiskeya sans transition à recevoir invité journal 4h après-midi sénateur Anna Cassis dans micro Beethoven François Fils concernant nomination Jean-Michel Lapin pour poste premier ministre. Président Jovenel, pas oublier que il y a 2 ans sous pouvoir. Jean que médecin est allé, a toujours dit que c'était difficile pour le pouvoir homme politique. Parce que, pas oublier, le président Jovenel n'a pas une propre expérience dans la question politique. Le fait qu'il fait expérience avec médecin qui s'est monde parlé, ben, il a passé comme ça. Il dit, ah, c'est très difficile pour le bonheur politicien. Moi-même, je connais que bon critère pour choisir le monde. Critère tout président choisir le monde, c'est, premier base, c'est loyauté, faut loyal, c'est fidélité, faut fidèle, faut sincère, et faut dévoué à la cause. Mais bon, l'autre bagaille, dernier bagaille, c'est l'obéissance. C'est-à-dire, l'homme garde, la peine, son nez, l'autant de la parler, ouais, c'est pas un nez qui est conflictuel. Son équido. Bon, le fait que ça me dégâte en ouais, que depuis le président pour n'était pas intérim, non? Je suspecte que c'est monsieur qui a choisi, c'est peut-être ça que le président a invité la paix. Moi-même, je ne vais pas aller. Je me dis, bon, qu'est-ce que ça me va le faire parce que monsieur Gatan a un choix, il fait déjà, hein? Critère que je connais que je vais le choisir, je ne vais pas connaître déjà. Pour qui ça que je vais aller? Est-ce que je vais pas influencer le délai, peut-être? Et oui, c'est ça qui fait que nous, maintenant, la paix, nous pas aller dans la rencontre, là. Et moi-même, j'ai évité de parler, tout. Sous question, je vais suivre. Et puis, effectivement, moi, que c'est M. Lapin que j'ai choisi. Bon, pas, moi-même, pas trop contre monsieur. Je dis, monsieur, mon Jacques Mel. Bon, monsieur était dans l'État. Il a fait 32 ans dans l'État. Au contraire que, il était comptable. Il passait comptable délégué, il vient directeur, il vient administrateur, il vient directeur. Bon, m'pas plus qu'on, monsieur, même, trois faits politiques. Donc, on aimerait même mon cas, Jacques Melman. Et m'venons, monsieur, bien tard. M'venons rencontrer monsieur, bien tard. Mais quand même, je dis, monsieur, nous, dans le sud-est, et m'abdou, tout, c'est la première fois dans le sud-est, grand premier ministre. Vous comprenez? La Tibonite gagne, le Nord gagne, tout côté gagne. Mais première fois, le sud-est gagne, on est qui nommé premier ministre. Bon. Est-ce que ça veut dire la paix parée pour collaborer avec lui au cas où tu as fait un appel dans le prochain cabinet ministériel là? Bon, ça va dépendre de feuille de route là et ça va dépendre tout de qui l'escape dans le gouvernement. Parce que moi, je suis sûr que M. Lapin n'a pas fait grand chose. Parce que pas dit, on parle d'entrer dans une période d'élection. On parle d'une question conseil électoral, on parle d'une question loi électorale, ou pas loi sur les partis politiques, parce que inévitablement, faut que le président dégage les lois sur les partis politiques, la passe avant monsieur aller, ou pas le question budget, monsieur pas de budget, il veut qu'on gagne budget, ou gagne question constitution, et pas oublier question dialogue là, tout, ou gagne dialogue là, que, qui pas jamais à prendre pied, et puis gagne sécurité dans le pays, parce que pour comprendre le pays à fonctionner,
pour pays à comprendre diriger pour une base sécurité. Bon, pays a pas gain sécurité, ouais. Personne ne va pas déplacer dans le pays. Il y a volé aux machines toute la journée, de vous sauter aux machines. Et mon a mouru. Il y a kidnappé mon. Ça dit, monsieur, c'est des problèmes ponctuels que le bras aller. Et occupé là, il n'y a pas grand-chose comme Basel va le faire. Situation très complexe. Le président fait choix de la paix. Compétence, monsieur, capacité là pour le réussir côté monde qui était là avant, Lionel prend la fonte, ou bien c'est un côté OTE. Je fais qui ça peut le faire parce que le problème est entier. Revendication politique, économique, sociale, mon yop n'a fait pas bon, taux d'inflation qui est presque dans 20%. Ouais, donc il y a un pile problème sur ta pia qui j'aime, je peux le camper là. Ah, moi, c'est ça, m'a dit parce que. Non pas dire médecin a échoué parce que médecin a pas tellement d'être commencé parce que médecin il est entré en crise pas bien entré en crise 7 juillet tout de suite il prend on 18 on 17 octobre tout de suite que il prend on parle en septembre que le monter et octobre 17 octobre il prend un gros coup 17 octobre 18 novembre 19 20 novembre il prend un coup il y en est pas cette idée ça dans il vient tomber son pays là encore ça dit que médecin, depuis le monté, c'est on est, c'est pompier, c'est difficile de taper et éteindre. Bon, tout le monde était dévoué à cause là. Bon, loi et utilité gagne avec le président, mais est-ce qu'elle était obéissant? C'est ça. Bon, kounya, comme étant monsieur Lapin capable on est obéissant, et bon, il est capable, au pralouer qu'on y a la, ça l'a fait après monsieur Lafontaine. Ou quand Fabien après M. Lafontaine, parce que M. C'est un médecin pas de grand temps à fonctionner pour le débat, pour tout le monde. Nous, il était ici, il était l'autre bord, son équipe est son fonceur, son équipe a foncé. Nous-mêmes, pour nous, qui sommes dans la paix, qui ont une compétence, qui a participé dans la question de l'eau chaude, ça. À l'entrée dans de l'eau chaude, ça, parce que c'est dans de l'eau chaude, là, M. Valentin, là. Même moi, insiste un peu sur la question obéissance. Est-ce que ça veut dire, et nous voulons, son expérience sur l'autre Guy Lafontaine là, dans la peine, non? Bon, la différence, c'est que M. Conn l'État, M. Bon avantage sur Guy Lafontaine, M. son ancien comptable délégué, il connaît l'administration de l'État bien le connaît. Le personne qui était comptable délégué, bah, c'est pas bien, moi, directeur commercial prestational, dès qu'on comptable délégué, moi, j'aime bien mettre M. sous côté, et puis, me fait même 4 semaines de fonctionner, me fait moi de fonctionner, non? Parce que c'est M. pour chercher l'argent côté lui, l'homme nos dos, et c'est lui-même qui connaît dans le circuit l'État, qui côté pour l'aller. Si on va dans la finance, c'est lui qui connaît pour l'aller. M. connaît l'État, le compte circuit, la différence de Guy Lafontaine. Mais M. pas un qui parle dans le conflit avec le président, parce que il n'y a pas un qui a un caractère ça pour aller dans le conflit. Bon, c'est qu'il bon pas un qui parle d'accord tout le bagaille, parce que lui-même, il y a un bagaille que le connaît plus que le président. C'est une certification dans deux chambres. Qui joue le scénario qui est plausible? Le bail de gros cob. Le bail de gros cob qui va le faire. Parce que Fabi, M. Lapin, pas un nez qui, moi, écoutez le parler, il n'est pas trop convaincant dans le parler. C'est pas un nez qui agitateur, qui va l'imposer, lui, tant aux gens avec fougue que M. Seyan gagne. Lorsque le président choisit, lui, Fabi, que le président, s'il arrive à mettre M. Seyan à terre, c'est lui qui va le faire, M. Passé. Lui qui va le faire, M. Passé. M. a dégagé le tout. Mais le président, c'est lui qui va le mettre les moyens dehors. Pour le vous, sous elle, pas bon, mais qu'on est président, son test, c'est à faire avec elle. Parce que le président, il gagne majorité. La majorité, il pour lui, il gagne au niveau du Sénat, il gagne au niveau de la Chambre des députés. Quand il s'est passé dans le Sénat avec médecin, c'est le président qui fait, c'est un pas fait. C'est pour le monde comme ça. Et l'offre, que Jean Quebal a vu passer dans la Chambre des députés, c'est gros sous, qu'on y a un nègre qui commence à acheter pain là. Vous comprenez? Parce que, il va le mettre bien dans son coupio. Il va le mettre bien dans son coupio. Malheureusement, c'est pas pain baguette acheté pour qui tombe tomber pour peuple là, c'est pain moins acheté pour aller manger avec beurre. De qui ne doit parler? Ah, monsieur, n'a pas le nom, monsieur député, yo. Monsieur Parlement, yo, c'est bail de gros sous là, nègre là, comment ça passe, langue, yo, sous gros bouche, yo, comprendre, bon, beurre, vend en Argentine, là, manger beurre ça. Au café toute journée, on passe, langue sous bouche, oui. Eh ben, nègre ça, mon cher. C'est des gens qui commencent là, à comprendre, yo, préparer pain, yo. Ah, vous mettez bien. En clair, vous voulez dire, monsieur Abon? Bon, c'est très difficile pour monsieur Abon. Si monsieur pas bon, maintenant, le président parle de le bon. Le président va le mettre les deux bouts dehors. Parce que même gens que j'étais médecin, tout le monde connaît médecin, t'es tombé, par contre, ça le tombe. Mais c'est gros, je vais être qui t'a joué. Ouais,
Et à 90%, nous étions sûrs, en plus, nous étions sûrs que le président n'a pas choisi la paix par rapport à deux autres monités. Mais c'était un fortuné avec Mme Winach. Il était qu'à prendre fortuné, mais l'expérience qu'il souhaite faire avec, même s'il dit avec fortuné en pile, fortuné, c'est un monde qui a un caractère très fort tout. Et pas oublier, pour fortuné, c'est pas un monde, parfois, il remet un petit conflit le tout. Et toute question, ça, yo, je pense que si c'était première expérience président, c'est celle d'apprendre. Mais le fait que c'est et deuxième expérience président, ouais, que qui a fonctionné avec la Fontaine, le mal, il était mal commencé, le bon mauvaise habitude. Et mon oui, où il prend, ouais, que j'ai fini avec médecin, qui était très dynamique, qui était capable de faire bon résultat. Et moi, je pense que, je ne pas dire, pas t'apprendre en fortuné, mais c'était très difficile. Et l'autre, madame, non, c'est madame qui pas trop connue. Pas trop connue, c'est vrai, c'est petite, et Alexandre Boniface. C'est vrai que c'est madame, monsieur Brinache qui était ministre. Mais, je pense que, la fin, c'est lui-même qui a gagné toute chance, là. C'est Anna qui t'a parlé, nous connaît. Anna National, qui était dans le micro, Beethoven, François Fils. D'après un fonctionnaire dans l'Union européenne, non, pas cité non, il dit que yo capable de renvoyer les affaires Brexit là juste dans date 30 mars 2020 dans l'Union européenne, non, selon responsable ça qui t'a parlé avec la presse dans Bruxelles journée jeudi à date Brexit là, il capable de renvoyer pour date 30 mars 2020. Et c'est ça, je ne veux dire, responsable de l'Union européenne déclaré, alors que représentant 27 et membres de l'Union européenne, nous avons préparé un conseil européen pour demain, et côté après pour statuer et prendre une décision définitive sur question. Premier ministre britannique, Theresa May, mandé pour renvoyer date Brexit là pour la date 30 juin. Et date ça, Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Mais pourquoi elle est là? Date là toujours été fixée pour semaine ça 12 avril. Et président conseil européen, polonais Donald Tusk, est en faveur pour tabailler plus date, encore plus temps, et même yon l'année, et pour l'Union européenne quitter, et pour Grande-Bretagne quitter l'Union européenne. La France, bon côté parle, pas opposé à un report et plusieurs mois à condition que gagne engagement ferme Royaume-Uni pour pas participer Total Capital dans décision et Union européenne a gagne pour le prendre dans cadre structure. C'est ça une source information dans Élysée qui donc parle présidentiel français a fait connait journée jeudi a. Et bon côté parle nous capable dit dirigeant et Union européenne véritable leader et qui c'est chancelière allemande non et bon côté parli Angela Merkel et en faveur tout pour ta bailler Grande-Bretagne temps pour quitter l'Union. Et puis concernant crise politique là parti politique Famille Navalas rencontrer la presse pour parler de tête chargée le gain par rapport à situation difficile population trouvée dans conférence pour la presse ça dans local fondation porter non ancien président porte-parole nouveau porte-parole là qui sont professeur Jodson Diogène fait connaître ses premières fois pays arrivé dans état aussi lamentable côté peuple là dans l'arrière galon l'a chercher gaz il pas ca jeune mettez sous la veille chair qui pas suspend augmenter porte-parole Famille Navalas a dénoncé ça le système pesé sous CA et puis mandé et pour ça changer et non sans ça parti politique là mandé démission Jovenel Moïse avec toute équipe qui avec lui pour mettre sous pied un gouvernement salut public qui doit diriger le pays pendant 36 mois. N'attendez Jodson Diogène, porte-parole Famille Navalas, dans conférence pour la presse à côté Didier Parent est présent pour Radio Kiskeya. C'est à deux rigoles de l'eau qui a coulé sans arrêter dans le genou. Troupes nous mouillent en trappe. Le président national, la Dr. Jean-Baptiste Aristide, comité exécutif là, plein de commissions, tout le monde milite à l'organisation à vivre comme un pays, nous, Haïti. C'est maman, nous, pas jamais suspendre descendre, puis fond, dans tout ça fond. C'est première fois que le pays arrivé dans l'état lamentable, ça. C'est première fois que le pays arrivé tombé dans l'état critique, ça. Pendant que le gaz pas suspendre bourrer dans votre peuple là, et puis après, on définit forcément que j'ai bourré, pour voir bandit légal, pas pour que la guerre peuple en a pour lui. A ton petit galon en main, dans chercher gaz. Après cause de gaz, qui dernier mois, ça a tourné aux gros poissons dans la grosse population, hein? La vie chère a pas suspendu augmenter, toute qualité d'insécurité, pendant pouvoir minoritaire, pouvoir importé a pas suspendu augmenter franchise. Bourgeoisie criminelle, là, grand commerçant a pas pris sous cette yo, sous prétexte qu'il a soulagé mes effets. Organisation politique Famille Navalas, qui va jamais les paroles de par Marc Massio, lui-même qui toujours m'a connu à revendication, quoi que force système sale ça.
système pourri ça a changé, coffre de a changé. Le système qui a taillé mandat dans la corruption, dans l'impunité. Le système qui impliquait dans le gaspiller jeunesse là, côté on mettait dans les jeunes femmes, jeunes garçons, timoun, gros enfants de foi, c'est populaire, grand ville, même section communale, nous ne pouvons pas même imaginer ça des âmes. Le système qui chita sous exclusion sociale, sous vol, à crime organisé, pas de place dans la société à je négocie. Système pesé sous ces ça, même favoriser un paquet de monde sans caractère, sans souci, propose à défendre le peuple pendant ces classes pays à chercher, n'a créé confusion, à faire diversion dans la bataille de libération majorité. Pendant la population a participé à manifester, pour demander justice pour malheureux, que pouvoir criminel s'appelle dans Grand Avine, dans la Saline, dans la Cité Soleil, dans le plateau central, pendant le peuple a demandé justice pour plus passer 4,2 milliards de dollars, que inculpé Jovenel lui-même, qui est dans l'agence Armadestelli, aujourd'hui, il y a un paquet d'agrément qui courit à Chita sur 100 peuples-là, ensemble avec inculpé Jovenel Moïse, pour demander poste ministère à direction générale. Pendant qu'il y a bloqué le monde, à qui on posait dialogue. Après, il n'y a pas qu'à toucher, mais il y a chargé Patra, pendant que Gabon n'a pas suspendu fait, dans le palais, dans différents ministères. On en a prêté attaché, on a prêté soudé à belle proposition organisation politique comme la Valasta. Ça veut dire proposition sans écrite. Mobilisation sur toute forme, non? Vous menez dans la démission équipée de Jovenel Moïse à quelques trois machins de pays qui parlent de la tête de Massia. Mobilisation sur toute forme, non? Vous permettre de retirer sous d'autres peuples haïtiens, chacun m'a nous laissé à qui c'est parlement anti-peuple. Vous mettez campé, le gouvernement salut public pour durer 36 mois. Puis commission de transition, hein, c'est pour rétablir confiance entre l'État et le peuple haïtien. Voilà, porte-parole famille Lavalas, Jodson Diogène, toujours dans la conférence pour la presse. Gen Gédéon Charles qui est un docteur. Yon l'autre porte-parole qui m'a dit peuple haïtien était vigilant pour pas prendre dans divers actes démagogie n'a cité pour empêcher force anti-changement yo river appliquer plan macabre yo gain qui planifié contre population. N'a pas le docteur Gédéon Charles toujours dans conférence pour la presse Fomin Lavalastan côté dit doit parent est présent pour Radio Kiskeya. Organisation politique famille Lavalas songe peuple haïtien que li doit continuer rester vigilant pour force anti-changement pas détourner attention. Tout ça qu'a fait là c'est diversion à démagogie qui fait partie plan macabre qu'a appliqué sous le masque populaire qui visait tout petit majorité au profit de une minorité. Un plan qui l'a gagné désespoir chaque jour plus qu'a peuple haïtien. En pile compatriotes a essayé par tout moyen pour quitter pays à parce que yo pas capable encore. Malgré yo connaît yo capable mourir dans la mer, malgré yo connaît yo capable prendre humiliation dans l'autre pays. Crise là la misère a taillé mandat, désespoir blahi. Pendant ce temps, Piaget continue à souffrir. Nous pas capables de courir pour inculper à bandit légal. Traversé par courant de conscience et guidé par l'esprit général Toussaint Louverture, nous devons battre pour mettre campé pouvoir populaire. J'ai proposition organisation politique famille Lavalas la ville là. Le pouvoir populaire qui a chita sous justice, transparence et participation. L'État a mis un bout définitif à système chita sous exclusion sociale qui favorise corruption, impunité et exploitation. Et ensemble, on va marcher vers un nouveau système pour des outils d'exploitation et transformer en outils de participation à justice. Pour que tout le monde compte, pour que tout le monde gagne place. Pour que tout le monde capable de vivre tant que monde, parce que tout le monde c'est monde. Famille Lavalas clair, ça qu'a fait là, c'est démagogie et diversion. Famille Lavalas clair que le problème n'est pas en question de premier ministre, de gouvernement, etc. Ça qui est le problème, non, c'est que nous avons un pouvoir. Nous avons un pouvoir qui n'est pas en majorité. Nous avons un pouvoir qui décrier. Nous avons un pouvoir que la population haïtienne n'a demandé pour qu'il démissionne pour que le pouvoir populaire soit capable de prendre place. Et donc, c'est ça lié. Donc, proposition claire, c'est départ. Et qu'il y a, Jovenel Moïse, ensemble avec tout l'autre qui agit au Gabotet qui pensait qu'il avait continué sous ses l'État. Organisation politique, famille Lavalas, la population pour mobiliser chaque jour et dans tout point de pays et sous toute forme. Voilà, conférence famille Lavalas, c'était Gédéon Charles. Conférence pour la presse, côté Dido Parent est présent pour Radio Kiskeya. Et puis, malgré toute déclaration qui a fait, problème gaz d'ap continue, n'a pas de quelques citoyens dans le micro, Laurie Louis-Jeune.
C'est des gaz venus. Depuis notre jour, machine me campait là, m'baka avec gaz. Pays à gaz, je venais le gaz et pays à nommer. Je venais le gaz et pays à nommer. Nous, on va pas l'État, on va pas mon gaz. On fait avec moi, on va pas mon gaz. Quand on commence par Nia, là, ça a fait plusieurs fois. Soit pensez ça. Eh bien, bah, les politiques ont fait un gaz. C'est la première fois, oui, ça fait. Après, on va go gaz, 94 ans. C'est la première fois, ça arrive. On a négé trois fois, nous manquons gaz en pays. Nous, on va faire gaz, mais là, même pompiste, bah. Il y a dit qu'on a un pays, c'est Kounia, pays à l'eau. Le gouvernement bloque pays à Kounia. Et t'as pas l'été dit, nous, bloque pays, bouillet, timoun à l'école. Et Kounia, il y a un pays. Pays à la, moi, son paquet misère m'a passé. M'passe dans trois pompes pour maintenir la bagage une pompe. Depuis avant, j'ai acheté un petit gaz à 80 dollars. Au Kounia, là, je passe son côté là et 120 dollars pour le vendre. Moi-même, je n'ai pas décidé d'acheter. Je plonge là, je ne sais pas comment ça va me faire juste. Je souhaite pour un chef qui a dit un mot parce que je me sens que j'ai passé trop de misère. Actuellement, là, je suis venu là, c'est sous réserve, moi, sous gaz, moi, là. Je suis venu de côté, je suis venu à plaguer, là. C'est un problème pour moi. Moi, je suis venu, gouvernement, pour un mot dans ça. Parce que le pays a plongé dans mes mains. Mon seul bagage, je remercie nous en pile pour le bon travail qu'on a fait. Je suis content en pile, je félicite nous. Kembela, fais pas moli. Mais nous avons besoin de gaz là, nous ne pouvons pas de gaz. Si donc depuis C1 fin tombé, nous avons de gaz là. Pour jeter C1. Mais quand nous avons de C1, c'est OCEAN ou mieux, nous avons de C1 tombé. Nous ne pouvons pas de gaz, nous avons appelé en moi pour le gouvernement ça. Pour même gaz, nous travaillons moi-même. Et depuis moto à nous vivre, nous ne pouvons rien encore nous vivre. Nous ne pouvons pas voler, nous ne pouvons pas prendre des armes, nous ne pouvons pas aller dans le pays, nous ne pouvons pas le Chili. Pour plus là, on vient acheter pour venir gaz. Compisant lui-même dit au Randaké, soubien pour 1000 gouttes, il doit pour 500 gouttes d'abord. Vous savez, on ne peut pas comprendre nos pays. Nous-mêmes, quand on est citoyen, nous ne pouvons pas besoin de gaz pour nous servir. Négligence, c'est le monde qui a dirigé. On va nous dire que c'est pour vous connaître, pour faire approvisionnement à temps, okay, pour vous payer. C'est au fur et à mesure, il y a battre pour réduire ou même qui consommateur là pour essayer de financer avec vous. Je pense que c'est souvent le monde qui vient avec gros galons jaunes. C'est que ça, vous mettez dans la tête, compisant, nous confions ensemble avec eux. Je suis venu à la moto sur nos machines, on va prendre le gaz. Soit que vous avez un petit galon, on va prendre. Si vous avez 5 gros galons, on va passer facilement pour prendre. Ça, c'est le tout problème que nous avons, mais comprenez qui s'est passé dans la gaz. Je vais te dire que je dis que comme si je planifiais ce qu'a fait l'autorité. Parce que je pense que en moins d'une année, nous pourrons rater à 4 reprises. Cette fois-ci, on tient un PD, parce qu'au départ, c'était peut-être manifestation, c'était qui ne fait pas de guerre, mais pour nous, ça semble que c'est l'autorité, comme tu as dit, l'État avec le secteur privé qui font celle comme si vous sous ces peuples-là, vous finissez avec peuple-là. Ce n'est pas gaz qui pas de guerre. Vous faites semblant qu'il n'y a pas de guerre, parce que vous avez besoin de monter. Vous n'avez pas de stratégie pour monter le finalement, on parle de stratégie ça. Même quand on est bon diable, pour nous, Voilà, citoyens, chauffeurs, taxi, moto, chauffeur machine, chauffeur privé, tout yo mauvais coucou, yo pas ka jwenn gaz. Et puis fantôme di pression l'a monté sérieusement sous président soudanien en Afrique Omar El Béchir après appel la police avec trois pays occidentaux lancé demander une transition politique alors que manifestation pile à paquet monde depuis 4 jours sans arrêter devant quartier général l'armée en Khartoum capitale pays Soudan. Béchir qui sous pouvoir depuis coup d'état 1989 là il y a 30 ans a fait face à plus gros défi depuis le rivé dans tête pays là quand elle fait d'appuyer sous pouvoir sans partage. Et puis gagnant yo fait nous joindre c'est monde qui intéressé yo yon convocation côté yo mandé ministère éducation nationale là Pierre Jodi Agenor Kader à formation professionnelle pour libérer madame Maggie Durcé c'est commissaire gouvernement au tribunal première instance Port-au-Prince qui mandé pour libérer madame Maggie Durcé à la tête INFP pour mettre à la disposition la justice et dans date 12 avril 2019 à 10h du matin et sous demande d'un paquet après plainte employé avec étudiant dans système national formation professionnelle là et monsieur Jean-Marie Paul Léveillé représenté qui convoquait directrice INFP dans paquet vendredi 12 avril là. Et c'est maître Michel Le et Christophe magistrat substitut commissaire gouvernement qui signe et convocation ça. Et puis dans prochain journal n'a pas l'eau de Fédération nationale
Kazek yo et Fedaka et qui te fait une réunion dans Kayo dans Delmar 83 et côté yo annoncé yo pral faire un mouvement parce que pas gagne de l'eau potable, yo pas gagne route pour jardin yo, pas gagne santé, pas gagne éducation, rien dans section communale yo. Et Kazek 10 départements qui te réuni, yo pral faire un sit-in devant ministère justice jeudi 11 avril là à partir de 9h du matin pour exiger ministre débloquer 731 millions goudes pour le mettre et sous compte pour capable faire développement dans toute section communale yo. D'après ça il a annoncé même bien tout un mouvement contestation et protestation dans système santé publique là n'a gain pour nous retourner sous lit mais n'a fini avec Edouard Saint-Fleur avec Edzer Jean-Louis porte-parole organisation politique qui dans opposition d'après ça il dit qui mande population pour te coller demain mercredi non sitin yo pral faire devant parquet Port-au-Prince pour exiger la justice prend responsabilité pour faire lumière dans dossier Petro-Caribien. N'a attendez Edouard Saint-Fleur et Edzer Jean-Louis. Nous même dans ensemble des organisations politiques de l'opposition nous dit bataille pour nous joindre contre Petro-Caribien. Et bien bataille ça il fait commencer. C'est dans ce sens ça, nous même dans ensemble des organisations politiques de l'opposition, et bien nous dit mercredi 10 avril 2019 là, nous mandé à toute population haïtienne, à tout militant politique, tout haïtien conséquent pour répondre présent non. Et bien l'ensemble des organisations politiques de l'opposition a organisé devant parquet de Port-au-Prince, et bien pour continuer mander la justice prend responsabilité dans la question dossier Petro-Caribéen parce que nous constatons tout le monde, jeune femme et jeune garçon qui ont participé depuis sous Préval, rivé sous Jocelyne Privé, dans le cadre comme ça, et bien nous, il y a flamé tout partout dans le pays. Hein. Donc la justice ferme les yeux sur le monde. Aujourd'hui, dans le pays, nous gagnons à peu près de 4 milliards de dollars, 4 milliards de dollars américains qui dépensés dans le pays sous le régime PHTK. Parce que l'agent ça, c'est l'agent Chavez qui prêté Haïti pour te faire développement. Pour Haïti, tu es capable de gagner l'hôpital, pour le peuple haïtien, tu es capable de gagner l'université, l'école nationale, route, l'infrastructure routière, et puis logements sociaux, place publique, etc. Jodia, sous complicité d'une série d'ambassades, sous complicité de Tonton Sam, je dis à même l'État corrompu ça, même l'État coupé en ça, l'État ça a obligé de prêter l'argent et pour tenter de 4,2 milliards de dollars qu'il a qui dépensé que population, jusqu'à maintenant, population dans la boule, dans l'insécurité, il va gagner l'hôpital, il va gagner l'eau potable, etc. Je dis à ces deux, tout bagaille ça, que nous-mêmes nous avons couru dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, qui paguent graines en nous, nous avons fait, qui paguent. Pied nous qui marie dans pied ta personne monde nous du fort Haïti dézombifié nous du fort population ralenti souffre nous du fort tout le monde capable vivre même gens papa nation de condil. C'était Edouard Saint-Fleur et Edzer Jean-Louis qui dit à parler dans notre toute organisation politique dans opposition qui a fait sitin ça et demain devant parquet Port-au-Prince et pour demander lumière sur dossier Petro l'agent Petro Caribéen. Nous connaissons la principale information, c'est officiel. Et Jovenel Moïse, avant de quitter le pays, a choisi Jean-Michel Lapin, qui est premier ministre par intérim, pour devant le Parlement comme pour voter comme premier ministre définitif. Le président Chambre député a qui trouvé dans Washington, Gary Bodo, qui confirme l'information ça et fait qu'on ait des matchs déjà tant même, voilà, écrit et intéressé à Jean-Michel Lapin pour déposer pièce li. Pour li al présenter déclaration politique générale devant parlement de gain diverses réactions fait déclaration ça dans micro envoyé et spécial nous qui trouvait et dans Washington et dans cadre session printemps Fonds monétaire international avec Banque mondiale Robinson Henry d'ailleurs qui a gain pour parler nous de session printemps Banque mondiale avec Fonds monétaire international là qui s'allier qui est rassemblé dans prochain journal nous t'attendons tout madame Yvette Mirac maman Jackie Mirac Thiabo la police assassiné samedi qui s'est passé là inspection la police là l'ouvrir une enquête sous dossier ça cela nous camper était sur radio Kiskeya nous dit tout le monde bonsoir na demain. Paul la palais.com.
Paul la palette.com.